Eh bien bonsoir, bienvenue sur Kishni FM. Il est dimanche, 20h, comme d'habitude, rendez-vous dominical. Et alors que le dernier podcast, nous étions trois, alors monsieur l'invité, tu ne sais pas que nous étions trois vu qu'il n'est pas encore sorti, mais à l'époque où celui-là sortira, Je me tu sais, fais je prévois. spoiler. Tu te fais spoil. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des petites révolutions en ce moment, parce que voilà, la dernière fois on était trois, et là, oh my god! Eh ben, c'est un nouvel invité, encore jamais invité dans le podcast. Voilà, c'est une première depuis du coup le. Ouais, ça fait, je crois qu'on en est, si je compte bien, au 12e podcast. Voilà, bon, peut-être que j'ai tort. Oh, ça avance bien, ça avance bien. Ouais, ça avance. Mais cette personne qui est avec moi, elle ne m'est pas inconnue et elle ne devrait pas l'être non plus pour vous. Alors, pour deux raisons, soit parce que vous connaissez ma chaîne depuis un petit moment et vous l'avez déjà croisée à plusieurs reprises, soit vous suivez les bonhommes au cinoche et donc du coup bah, je vous annonce que c'est Amaury, Maul. Alors je sais pas Yes. parce que t'as plein de pseudos Maul. toi, je sais jamais Ah, comment t'appeler tu du coup. sais, moi sur ta chaîne, c'est Maul. Moi, je Voilà. serai Maul pour Toi toujours ici. t'es mon Maul, toi, t'es, voilà. Exactement, c'est Voilà. ça. Mais pour J'ai plein de ceux. surnoms, mais. Voilà. Mais pour ceux qui connaissent les bonhommes au cinoche, bah c'est Amaury des bonhommes au cinoche. Momo. Voilà, Momo. Donc voilà, bah écoute, bienvenue à toi dans le Merci podcast de beaucoup. Kishni Ça me fait FM. très plaisir. Ça me fait très plaisir d'être là. Ah mais tu sais quoi, mais ça me fait aussi extrêmement plaisir parce que comme on le disait hors antenne tout à l'heure, ça fait trop style radio, tu sais, j'adore. C'est quand on disait Ouais, hors c'est antenne. vrai. Ouais, Bon, avant en même temps, l'émission, c'est le principe. c'est une vraie radio, hein, c'est. Ouais, mais bon, comme on disait, ouais, du coup, tout à l'heure, on aime bien parler, on parle souvent, Oui. enfin, justement, non, on parle pas souvent, mais quand on parle longtemps. On parle Et longtemps, c'est ça. Et pour voir ça, bah, il n'y a qu'à voir la vidéo collection ou Ah ouais, et là. encore, la vidéo collection, il y a ça. Mais je te rappelle qu'on avait encore parlé une heure après. Mais oui, ah oui, tout à fait. Donc là, Oui. écoutez, en général, j'essaie de cadrer un petit peu le podcast pour pas que ça parte trop loin, mais peut-être que en dessous, là, si vous regardez la barre de progression de la vidéo, peut-être qu'il y a un nouveau record. Hein. Peut-être qu'on aura dépassé les 200, j'en Ah, sais rien. je sais pas. C'est vrai que ça peut partir très vite, Ouais, mais mais bon, après, comme je dis, je ne donne pas de limite dans les podcasts, mais après, voilà, bon, ça dépend. J'essaie de cadrer quand même. Surtout qu'en plus, le sujet d'aujourd'hui, eh ben, il est vaste. Il est vaste, en fait, Ouais. j'ai envie de dire, à l'image des deux jeux que tu m'as proposé de parler, voilà, Donc, ils sont. qui sont Zelda Breath of the Wild et Red Dead Redemption 2. Mais c'est que pour donner le sujet de ce dont tu veux parler, en général, on veut parler plutôt Ouais, du jeu vidéo, de parce jeux que vidéo et les tendances actuelles finalement, parce que c'est ces ça. deux jeux en fait témoignent de deux visions diamétralement opposées du jeu vidéo en fait. Et c'est très intéressant de voir ce qui marche pas. Enfin, c'est très intéressant de les comparer en fait, même si a priori bah, ils n'ont pas grand-chose à voir. Du coup, Et c'est pour ça, voilà, je voulais en parler avec toi. surtout que toi, tu seras super bien placé pour le faire. Parce que moi, je ne connais que Zelda Breath of the Wild. Je regarde un petit peu des Let's Play, mais j'ai pas trop eu l'occasion encore d'aller bien loin de Red Dead 2. Mais toi, tu as beaucoup joué à Zelda. Je dirais même beaucoup trop. Beaucoup Parce qu'attends, trop. attends. Non, mais je dirais beaucoup trop. Tu sais pourquoi? Parce qu'à un Non. moment, enfin, j'ai vu passer sur Discord que tu avais chopé tous les Korogus. Ah non, ouh là là, non. Ah, tu m'as fait peur. Ah non, t'as dû voir que j'avais tous les sanctuaires. Ça, c'est le cas, j'ai fait tous les sanctuaires. Mais les Ah, putain. Korogus? Ah non, non, les Korogus, non. Ouh là. Ah, mais tu me rassures là, Ça devait parce être que moi je un. les trouve, je me dis, mais attends, mais le mec, ça veut dire que déjà il a dû chercher partout, mais qu'en plus, si tu veux les trouver, Non. t'es obligé d'aller voir une soluce, et donc si t'as une soluce, t'as les emplacements des Korogus, et donc tu T'as dois les perdu ta vie. re-re-regarder à tous les endroits si tu l'as eu ou pas. Donc je me suis dit, Non, mais le mec, mais il est au-delà du futur, enfin, non, il est dans un autre monde, ce mec. Et donc là, non. non, là, tu sais quoi, tu me rassures. Franchement, je je comprends. jouerais à Zelda avec beaucoup moins de culpabilité Ouais. maintenant. Enfin, je sais pas, ça Le me rendait triste parce que je me disais, putain, pauvre, attends, je suis presque il à a perdu 100, son jeu à la con. je suis presque à 100 heures de jeu. J'ai à peine découvert le quart de la map et ce Oh. mec-là, il aurait eu tous les Korogus. Non, mais attends. Ouais. Donc là, non, là, j'aurais été dégoûté. Enfin, dégoûté, c'est juste que je sais pas comment t'aurais fait. Voilà, pour moi, t'aurais été Bah, mort. il y en a qui les ont Ah tous. oui, je Donc, sais, mais
Franchement, Bon, je quoi, sais pas. Mais bref, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire à la base. Mais que, voilà, en quelque sorte, toi, t'es bien placé pour en parler parce que tu y as beaucoup joué. Et en ce moment, tu es sur Red Dead 2. Donc, exactement, deux jeux qui, en fait. Alors, l'un est devenu, en quelque sorte, j'ai l'impression, une référence de l'open world, qui est Zelda. Et un autre, ah justement, qui oui. s'amène avec Une autre vision du genre. Une autre vision, oui, parce qu'en fait, il est plus réaliste, il se veut plus réaliste, Exactement, mais donc exactement. du coup, il s'inscrit quand même dans le domaine des open world, et il y a des choses qui les opposent. Alors toi, tu parles d'un truc qui est vraiment Voilà. diamétralement opposé, et ben, quand je t'entends dire ça, je suis curieux, parce que je sais pas vraiment ce que ça cache derrière, et donc je te Ouais, propose déjà de commencer là-dessus, puis on s'émancipera. Enfin, de toute façon, je pense que ça le fera tout seul. Mais Bah, ça m'intrigue du coup ouais. cette opposition qui te semble Ouais, vraiment bah, claire pour toi. Bah, puis en retranscrivant ce que je pense, peut-être qu'on sera d'accord sur des points, peut-être pas sur d'autres. Ah bah Mais oui. déjà, tu disais Zelda, qui s'imposait comme le papa du genre, en fait, finalement, maintenant, la nouvelle façon de faire un open world, c'est un peu ce que tu disais, non? Alors le Et papa, non, parce que c'est pas le premier. non, mais je sais plus ce que tu as dit. Mais oui, Oui, la je sais beaucoup plus du référence. Non, papa. mais je Ouais, comprends, la ouais. La référence, voilà, je référence, cherchais la le mot. nouvelle Voilà, référence pour moi exactement. des open Et world. bah, je suis totalement d'accord, en fait. Pour moi, c'est franchement, très honnêtement, je crois que c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué. Mais c'est ce que je me dis à chaque pas que je foule de plus dans Hyrule, quoi. Enfin, Et c'est. oui, donc voilà, juste pour revenir là-dessus, oui, pour moi, il réinvente tout ce qui a été fait de façon très très intéressante. Et c'est là d'ailleurs, avant de rentrer dans les détails, parce que je sais que toi, ces derniers temps, tu avais un peu de mal à t'investir dans un jeu vidéo finalement. Carrément. Oh Et là là voilà, là, je justement. crois que tu touches. Et Ouais, c'est vrai. voilà, et ce que j'aimerais savoir, c'est en quoi, en fait, ce Zelda t'a attrapé, si tu vois ce que je veux dire. Oh, T'as. quelle question. Quelle question. Oh là là. Tu vois? Non, parce que je me la suis même pas posée. Mais du coup, c'est bien parce que j'aime bien réfléchir en direct. Attends, déjà, je voulais revenir sur un truc par rapport à cette. Oui, pourquoi est-ce que je le considère comme référence? C'est parce qu'aujourd'hui, quand je vois un autre open world, quand je joue à un autre open world, ou même quand je joue en fait à n'importe quel autre jeu, je me dis, ah mais ça je peux pas le faire. Ah mais Oh là ça, ah c'est là, ça. oui. Ouais, t'es d'accord. Bah, là, Non mais on en concrètement, parlera, on en parlera. Mais ouais, voilà. c'est ce que je voulais dire. Alors après, ta question super intéressante. Alors tu dis que c'est vrai que. Mais ça date même de la vidéo J'arrête les jeux vidéo. On est d'accord. Alors pour ceux qui savent pas, vous allez voir la vidéo qui s'appelle J'arrête les jeux vidéo et puis vous comprendrez. Sur ta chaîne? Donc voilà, oui, sur ma chaîne où je dis tout simplement que voilà, bon, j'arrive plus à passer du temps sur un jeu, j'arrive plus à m'y investir, j'arrive plus à trouver de l'intérêt. D'ailleurs, je me souviens, on en parlait même tous les deux par rapport à BioShock que j'ai adoré, Oui. mais que je te disais, ouais, tout ce qui est truc audio et tout, j'arrive pas à me mettre dedans et à m'imprégner d'histoire et à être choqué par le discours des personnages et à me dire, parce que ce. Voilà, bon. Et là, Ah eh oui. ben, c'est vrai que ce Zelda, alors, ça s'est fait en plusieurs étapes. Au début, j'ai découvert le jeu et bah, j'ai vu sa richesse, sa beauté, sa liberté, sa pureté, même j'ai envie de dire, et ça m'a happé tout de suite. Un peu comme beaucoup de jeux pourraient me happer et un peu comme peut-être Red Dead 2 pourrait me happer. Mais ensuite, il se passe toujours une autre étape, c'est l'étape un peu où, pas tu te lasses, mais c'est presque ça, mais où tu intègres les mécaniques du jeu. Tu comprends là où il veut t'emmener, il y a l'histoire qui a été lancée, Alors, je et vois qu'il y a une certaine maintenant, routine ouais, et maintenant, qui... tu vas faire tes quêtes annexes, ta quête principale, tu vas looter des trucs, tu vas faire ton petit bonhomme de chemin, et c'est ciao, on se retrouve à la fin, ce qui est un peu la nouvelle formule, voilà, d'un peu tous les jeux aujourd'hui, et qui me déplaît, parce que moi, j'aimais bien à l'époque les jeux où ben, tu t'avançais, et puis hop, t'avais une cinématique qui te reprenait la main, qui te faisait avancer l'histoire, et ensuite, après, hop, tu réenchaînais sur un autre niveau, enfin, le truc vraiment old school, niveau, Ouais. cinématique, niveau, cinématique, niveau, Ok. cinématique, etc. Ça, c'était pour moi un rythme, c'était voilà, c'était le but du jeu et pour moi, ça j'ai complètement perdu, surtout que maintenant quand on te lance dans des open world. Et donc, Zelda, eh ben, je l'avais un petit peu arrêté ou beaucoup, enfin j'avais pratiquement, enfin je jouais pratiquement plus, je l'avançais voilà parfois comme ça. Et donc là où la plupart des jeux justement, ben, j'arrête complètement parce que je rentre dans une sorte de routine et puis
Pour moi, en fait, je fais les choses, je joue au jeu par contrainte, en me disant il faut que je fasse ça, il faut que je fasse cette mission, il faut que machin, il faut que j'arrive à la fin. Et c'est vrai, j'ai regardé une vidéo il y a pas longtemps qui est extrêmement vraie, qui tourne pas mal en ce moment, c'est que maintenant tu n'arrêtes plus le jeu à la fin du jeu, mais dès le moment où tu t'en lasses. Et Ah, tous je les crois que je me jeux souviens. aujourd'hui mobiles, les jeux mobiles, ils sont pas faits pour être finis. Ils sont faits pour te garder au plus longtemps, pour que t'achètes des petits trucs et tu arrêtes quand? Tu arrêtes dès que tu peux plus avancer. Soit tu payes pour continuer à avancer, soit tu arrêtes parce que tu t'en es lassé. Et aujourd'hui, même les gros jeux reprennent ces mécaniques-là. C'est-à-dire qu'ils font tout pour te rester, pour te faire rester sur Ouais, le pour te jeu. frustrer aussi. Oui, et pour faire en sorte de te faire avoir le plus de quêtes annexes possible et tout. Et du coup, en fait, au final, eh ben, le jeu, pratiquement, tu ne vas plus jamais au bout et tu arrêtes dès que tu t'en lasses. Ou alors tu passes ta vie dessus et tu deviens ce qu'on appelle un no-life. Et en fait, eh ben, à bien y réfléchir, et grâce à cette vidéo que j'ai vue, eh ben, j'ai mis le doigt justement sur ce qui ne va pas aujourd'hui et ce pourquoi ça m'énerve. C'est exactement ce que je te disais, c'est qu'avant, on était guidé par le jeu, par les cinématiques, tout ça pour arriver jusqu'à la fin, et le jeu ne se perdait pas dans des quêtes, dans des machins annexes et tout à foison pour t'en lasser. Et alors que, mais là, c'est vrai qu'on pourrait dire la même chose. On pourrait dire, bah oui, mais Zelda, bah tu lootes des trucs, t'as l'histoire qui commence à la base, et puis après, on te jette dans l'open world, et après, bah t'as des quêtes annexes, tout ça, jusqu'à la fin. Ok. Oui, c'est vrai. Mais en fait, alors, je réfléchis en direct, hein. Mais pour moi, déjà, le premier élément de réponse que je pourrais donner, c'est qu'au bout de, allez, 30 minutes de jeu, la quête principale te dit abattre Ganon. Voilà. Tout est dit. C'est-à-dire que dès le début, tu as une quête qui te dit bah tu peux aller à la fin si tu veux. Bah, Et en fait, donc c'est en ça qui fait, est ça y est, je formidable. crois que j'ai mis le doigt dessus. Ouais. C'est qu'en fait, alors effectivement, tu ne peux pas aller à la fin parce que il faut que tu fasses, il faut que tu augmentes, il faut que t'aies ton Tu armement, peux, tout tu ça. peux, tu peux Voilà. tout à fait. Oui, mais voilà, mais tu peux. Mais en fait, Là, je tu pense peux. que c'est ça. C'est-à-dire que le fait de te dire je peux, mais je vais faire en sorte de me renforcer au maximum pour être le mieux préparé jusqu'à la fin. Enfin, pour que quand je vais y aller. Et du coup, ça te donne un intérêt te disant, tiens, ben, je vais faire mon maximum pour être le Le meilleur meilleur possible. face à Ganon. Voilà. Bah, ça, c'est très vrai. Et pareil, si tu compares à d'autres jeux, tu comparais par rapport à d'autres open world, où là, il te conditionne, tu suis ton petit bonhomme de chemin, finalement, c'est très guidé, tac, 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 fais cette quête-là, ensuite tu peux faire cette quête-là, ensuite tu as ces niveaux pour faire celle-là. Oui. Là, tu as un seul objectif, c'est la liberté totale, tu prends C'est le ça. chemin que tu veux, tu avances à ton rythme, tu as ta propre marge de progression que tu crées toi-même, finalement, et ça, c'est Exactement. merveilleux. Et bah tu sais quoi, tu viens de rebondir sur justement la deuxième raison qui, à mon avis, pour moi, et pour laquelle je reste sur ce jeu, c'est qu'une fois qu'on t'a lâché, tu ne sais rien. Tu as une map déjà qui est cachée, mais même au moment où tu vas sur la tour et que tu découvres la parcelle de la map que cachait cette tour, rien n'est indiqué non plus. Tu n'as pas l'endroit des villages, tu n'as pas l'endroit des quêtes, tu n'as rien. En fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que tu découvres tout au fil de l'eau. C'est-à-dire que si tu veux parcourir toutes les contrées, tous les mètres carrés du jeu, c'est toi-même qui vas découvrir tes propres quêtes annexes, tes propres défis. Mais tu as totalement le choix. T'as totalement la possibilité de ne pas le faire, de ne pas tout suivre. T'as même des sentiers qui sont déjà tracés. Tu suis juste ces sentiers, comme ça tu vas tomber sur les trucs principaux. Ça aussi, c'est génial. C'est-à-dire que même au sein d'un truc qui est vraiment ouvert, si tu suis les chemins, j'ai remarqué, parce que tu sais, t'as des chemins tout tracés, Ouais, tu trouves les villages, tu trouves les... les villages, tu rencontres des gens sur les chemins qui sont plus ou moins importants, des marchands, des machins. Et en fait, eh ben, tu pourrais limite avoir une version linéaire du jeu en suivant ces chemins. Et tu pourrais déjà faire une sous-partie du jeu rien qu'avec ça. Mais si tu veux sortir des sentiers, ce qui est bien, c'est que tu te dis, en fait, moi, ce que je me dis à chaque fois, c'est, tiens, si je sors du sentier et que je vais gravir cette montagne, est-ce que je vais trouver un Korogu? Tu vois, c'est, est-ce qu'ils vont cacher un truc là? Ah, tiens, là, il y a des pierres précieuses. Je vais les Ouais, je casser, vois. et si je les casse, en fait, si je les récupère, soit je vais pouvoir me faire pas mal de rubis pour m'acheter du stuff, des flèches et tout, soit
En fait, je vais pouvoir aller à, au comment on appelle ça? Marchand, enfin, Non, en pas au commande quelque marchand, chose. c'est le laboratoire que j'ai Ah découvert tout au nord-est du machin pour les échanger contre des armes archéo, je sais pas quoi, là où je sais plus comment ça s'appelle. Archionique. Ouais, pour détruire les machines qui sont manipulées aujourd'hui par Ganon. Et aussi, pendant que j'y pense, je pense que c'est aussi, mais c'est lié un peu, c'est le troisième point qui fait que j'aurai sur le jeu, c'est qu'en fait, je crois que c'est le jeu qui réussit, mais à la perfection, ce qu'aucun jeu ne réussit aujourd'hui, c'est la gestion de ton inventaire. Aujourd'hui, un jeu, c'est soit tu as plus rien trop rapidement, soit tu as tout trop en trop grande quantité. Et donc tu n'as plus d'intérêt à tout collectionner. Alors que je te prends un exemple juste tout con avec les flèches en bois. Eh ben, j'ai beau essayer de les collectionner, de m'en faire un gros stuff, eh ben, je me retrouve toujours avec 30-40 alors que j'étais à 100-120 il n'y a pas longtemps. Ouais, j'ai le même problème. Et donc J'en ai du coup, jamais. enfin même problème, mais au final c'est bien, parce que du coup tu es toujours à la recherche, tu dis faut toujours que je renouvelle. Exactement. T'es pas avec un stuff de 400, voire 1000 flèches et t'as aucun intérêt à en ramasser. Tu as toujours un intérêt à en ramasser parce que tu te dis, ouais certes, là j'en ai 120, mais qui te dit que dans pas longtemps je vais tomber sur un gros boss où je vais en utiliser je sais pas combien et tout Ouais, ça. je sais pas. T'as toujours l'intérêt d'en ramasser. Pareil pour les Les armes qui se armes, cassent. parce qu'à chaque fois que tu vas l'utiliser, tu sais que tu risques de les casser. Et donc, moi, ce que je fais, j'ai une gestion très, très précise de mes armes, en fait. Dès que j'en trouve une meilleure, je la garde et j'utilise toujours celle qui est la moins bonne. Et donc, D'accord. quand je la casse, et Tu gardes ben, pour les ennemis plus. voilà. Et donc, en fait, si tu veux, au début, je commençais, j'avais que des armes de 5, 10, 12, 15. Et maintenant, je me retrouve avec un armada d'armes, 60, 50, 40, 30. J'ai que ça, pratiquement. Ah ouais. Et donc je vois au fil de mon évolution, au fil du fait que je fais, que je cherche, que je fouille partout, que j'augmente et que je me renforce comme ça. Et pareil, t'as tellement de trucs. En fait, je crois que j'ai repris aussi vraiment cette fois sur un bon rythme Zelda. C'est qu'en fait, je me rends compte que au tout début, t'as pas conscience de tout ce qui peut se passer et de tout ce que tu découvres. Et au-delà des simples items de base. Et eh ben, tu te rends compte que tu peux améliorer tellement de trucs, notamment grâce au corps au goût, mais pas que. En fait, t'as surtout les. J'ai trouvé un intérêt aussi aux habits. Les habits, Ah tout ce qui ben t'aide à bah grimper, oui, à nager, pour bien résister au sûr. feu, tout ça, comment tu peux les améliorer. Donc, du coup, en fait, tu te dis, putain, mais même pour les améliorer, il faut que je collectionne des lézards. Donc, même la recherche de lézards Mais devient un oui. passe-temps. Moi, à un moment, j'avais besoin de lézards tempo, j'ai dû. Ah oui, je fais aussi ça, je prends des photos de tout maintenant aussi, c'est pour les collectionner dans mon Ouais, pour encyclopédie. l'encyclopédie. Et donc du coup, maintenant, à un moment, j'ai même mis la recherche de lézards tempo et j'étais là en train de les rechercher. Je me voyais en train de rager parce que j'allais parfois trop vite et je les faisais fuir. Et je me disais, mais putain, ça fait 1 heure et demie, Kishni, Tu es en train que de tu es chasser en des train de lézards. chasser des lézards, putain. Mais merde! Et Ouais. là, je me dis, mais ce jeu, c'est du génie. Voilà, je Mais. crois que j'ai fait un peu le tour. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais c'était Bah. vraiment pour expliquer tout ça Mais et ouais, mais je suis très c'était content d'avoir important. ton avis parce que très clairement, ce qui te plaît dans le jeu, c'est totalement ce que le jeu recherche à créer chez les joueurs. C'est-à-dire un sentiment de Carrément. liberté, donner l'impression, et pas que l'impression parce que c'est le cas, mais pouvoir façonner son histoire, sa quête. Par exemple, si tu compares, surtout ce que je trouve vraiment remarquable dans le jeu, c'est l'open world et sa découverte. Là où dans Assassin's Creed, alors plus maintenant, mais je prends les anciens Assassin's Creed, tac, tu grimpes ta tour, tu synchronises, puis tu as toutes les activités aux alentours qui sont données, en fait. Tu C'est as juste à y ça, aller c'est après, pour que tu le fais. exactement ça. Là, non, tu vas sur ta tour. Alors oui, tu vois la map à quoi ressemble, mais tu sais pas les points d'intérêt qu'il y a dans la région. Mais ce que tu fais, c'est paf, tu prends ta petite jumelle, tu cherches au loin, tac, tu vois un truc au loin, tu places ton petit marqueur sur la carte, tac, tu dis bon, j'irai voir plus tard. Et en fait, c'est le joueur qui façonne sa carte. Exact. Et Et puis, attends. ça devient ludique. Et Et puis, c'est génial, je je trouve. sais pas si t'as remarqué, mais il y a un truc dans le level design ou même de la map, enfin, qui émet. Mais je trouve, mais c'est Ouais. du génie, c'est que en fait, quand tu regardes la map très précisément, tu vois qu'elle foisonne de petits trucs, je sais pas, un petit étang, une petite montagne un peu Ah haute, et tout. Tu vois les reliefs, tu vois les. Et en fait, au bout d'un moment, à force que tu joues d'heure en heure, tu te rends compte qu'en fait,
tous ces petits détails qu'il y a sur la map, ils sont pas là pour rien. Et tu sais, au fond de toi, que quand tu vas y aller, il y a un truc, il y a quelque chose. Il y a une statue, il y a une source, il peut y avoir une meuf, tu sais, qui améliore tes habits. Et c'est gratifiant de les trouver. Il peut y avoir un coffre, il peut y avoir un korogu, il peut y avoir... Tu sais pas ce que tu vas trouver, mais donc, oui. Du coup, rien qu'en regardant la map, tu te dis, oh là, il doit y avoir quelque là-bas. Chose. Il doit y tu avoir mets ta petite chose. Étoile. Et du coup, tu y vas. J'irai voir plus tard. C'est ça qui est dingue. Et typiquement, c'est là où le jeu est bien meilleur que tout ce qui existe. C'est que dans n'importe quel autre jeu, il te mettrait un petit truc genre, bon, bah là, il y a une plume, faut aller la chercher. Exact. Là, le jeu, il te dit rien. Mais du coup, quand tu la trouves, mais tu es fier quoi, d'avoir et trouvé du coup, ton courant. J'ai envie de tout parcourir. Exactement. Et je sais pas ce que tu as, toi, de plus dans ton radar. Ce que tu mets le plus. Ce que je mets le plus pour les sanctuaires. Le c'était moi, c'était le sanctuaire. Et bah, moi, au début, c'était ça. Et très vite, j'ai switché sur les trésors. Ah et ouais, là, d'accord. Mon gars, et c'est là où je perds le plus de temps. C'est parce qu'en fait, ouais, tous les deux étangs, mètres, t'as ton radar, il fait gling-ling, gling-ling. Ouais. Et du coup, en fait, t'es happé par le truc. Tu fais, attends, je vais aller voir. Et du coup, maintenant, en fait, si tu veux, je fais tout la map. Et je crois qu'il doit plus rester un seul coffre, trésor, ouais, je sais pas. Coffre dans tout ce que j'ai cherché. Ouais. Et limite, mais si tu veux, mais en fait, la map, déjà, elle est tellement grande. Et je veux tellement tout faire que des fois, je ne sais même pas par quel bout la prendre. Je me dis, alors attends, ouais. Déjà, je vais tout faire en diagonale de ce moment-là. Et puis après, je vais remonter par les... Mais c'est bien parce que c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que tu te façonnes ta map, mais aussi ta découverte par toi-même. Exactement, tu te dis, ouais. Bon alors attends, je vais remonter par là. Et puis après, je vois que la chaîne de montagne, elle continue par là. Et puis après, ça me permettra de remonter par ici. Et donc, ouais. Du coup, ça me permettra d'avoir visité tout ce flanc-là. Puis, je pourrai partir en hauteur et visiter tout ce flanc-là. Et du coup, oh, putain, mais tu te fais un itinéraire. Ouais. Mais c'est génial, mais... Chaque joueur crée sa propre expérience de jeu. Ah ouais. Quand tu parles à quelqu'un qui a commencé Zelda en même temps que toi, mais il y a très peu de chances pour que vous ayez vécu les mêmes choses en même temps. Oui, genre, mais toi, tu tu vas partir pas. Voir les auras, lui, ah bah non, moi je suis allé voir les Gerudo. Bon. Carrément. Et D'ailleurs, ça, c'est fou. Tu l'as découvert dans quel sens? Juste par Alors, curiosité, moi, tu vois, ça. premier, c'était les auras. Oui, pareil. On va tous à l'est, je pense, au début. Ensuite, je crois que c'était les Gorons. Ensuite, les Piafs. Attends, ah non, les stop, Piafs. stop, parce que là tu vas commencer à me spoiler. Ah bah Mais ouais, ah mince. en gros Bon, t'as fait je suis parti à sens. l'est. Oui, mais t'as fait sens contraire d'une montre. T'as fait est. Exactement. Non, et ben tu sais quoi, je suis en train de faire la même chose. Ah bon, bah voilà. Bon, mauvais exemple, mais voilà quoi, c'est ça qui est fou. Ah, Et moi, d'ailleurs, on a évoqué très brièvement les sanctuaires, mais ça, pareil, je trouve que c'est très très intelligent comme mécanique de jeu parce que. Déjà, rien que de trouver un sanctuaire, déjà, t'es content d'avoir trouvé. Oui, tu fais, parce oh putain, il y en a ça un te là. Permet d'avoir des sauts qui te permettent d'améliorer ta stamina ou ta barre de vie. Et déjà, ça, rien, et rien ça que d'avoir fait ça, t'es content. des points de respawn, enfin de téléportation aussi. Tout à fait. Mais en plus de ça, le sanctuaire, t'apprends une nouvelle mécanique de jeu, une nouvelle façon d'utiliser un objet. Parce que très souvent, j'ai dit, ah merde, putain, on peut faire ça. Puis du coup, après, oui. Ça m'a servi dans l'open world simplement pour explorer des endroits que c'est vrai. J'aurais pas pensé utiliser cet objet dans cette circonstance. C'est vrai. Bref. Et en plus de ça, ça te donne souvent la fin un trésor. Et je me dis, mais oui. Oh, c'est génial. C'est... Oui. Et oui, tu as dit. Et ce qui est marrant aussi, ce que j'ai découvert avec les sanctuaires, c'est qu'en fait, l'épreuve du sanctuaire peut, je sais pas si tu vas me suivre, mais elle peut être autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que c'est-à-dire, atteindre le sanctuaire en soi, oui, des fois, est déjà une épreuve. Tout aussi dur que quand tu es au début du jeu, imaginons, et que tu vois un sanctuaire tout en haut d'une montagne, enneigée, tu te dis, mais comment j'y vais, je fais comment, Link il a froid, je vais mourir. Oui, c'est-à-dire, mais rien pas de forcément. Ça, pas forcément, je parlais pas que de ça. Je parlais que des fois, tu sais, des sanctuaires sont enfouis et qu'il faut que tu fasses une épreuve pour qu'ils s'enlèvent de la terre. Ah oui. Et après, oui. Quand tu vas dans le sanctuaire, en fait, t'as juste à aller tout droit et c'est tout. Tu sais, ces sanctuaires-là ah, où t'as oui. pas d'épreuve dedans, Je vois. Ben, c'est là où Très, justement très bien. l'épreuve est à l'extérieur. Ouais. Donc c'est, Ah oui, ils sont c'est... très très bons. Seuls. Et t'en as des fois. Tu vois, il y en a, ils sont salauds. Bref, je tiens rien. Non, mais mais d'ailleurs, ben, je crois que là où je me suis arrêté là, le week-end dernier, la dernière fois que j'ai joué, il y a un truc, ça m'énerve parce qu'en fait, je sais pas comment choper le coffre. Enfin, je sais comment le choper, mais j'y arrive pas. C'est un moment où tu l'as forcément C'est fait. Frustrant. C'est enfin, c'est pas forcément frustrant, mais. Non, mais je sais comment le choper. Mais c'est en fait, tu dois frapper une boule pour qu'elle atterrisse dans un trou.
Je sais pas si ça te dit quelque Oui, ça chose. me dit quelque chose. Ça me dit... Alors, tu dois la bloquer avec le, je sais plus quoi, Oui. là, le truc jaune. Tu Ouais. dois frapper. Ah, si, 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 je vois où t'es. Oui, je vois où t'es. Eh ben, t'as Ouais, le je l'ai premier fait. qui est simple, et après, tu peux accéder à la fin du truc, mais sinon, tu peux aller derrière, t'accèdes à une deuxième plateforme qui t'amène à un deuxième coffre, et lui, il est beaucoup plus loin. Et en fait, il faut que ça atterrisse directement dans le trou. Et j'y arrive pas. Et le problème, c'est que plus t'essayes, plus tu... Excusez-moi du mot, mais plus tu... Non, je vais pas utiliser ce mot. Plus tu détruis... J'allais dire un mot un peu... Non, plus tu Qu'est-ce que t'allais détruis, on dire? va rester... Bon, je vais le dire, j'allais dire plus tu niques tes armes, mais bon, c'est un peu Ah bon, vulgaire. ça Bon, va. mais en gros, plus tu les détruis, et moi j'ai plein d'armes que je veux garder, et du coup ça me frustre. Ah oui, c'est vrai. Parce que je me dis, putain, D'ailleurs. j'ai pas un nombre d'essais illimité, alors ça m'énerve là. Et donc du coup je dis, bon bah c'est pas grave, ce sera Ça un crée de coffre. l'enjeu finalement. Oui, mais ce sera un coffre que j'aurai pas. Après, je suis sûr que je me démène juste pour peut-être un rubis, bon c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Mais tu vois, par exemple, les armes qui se détruisent. T'en Oui. as beaucoup qui ont râlé, ah, c'est chiant, en 5 coups, j'ai plus d'armes. Mais moi, je trouve ça formidable, justement. Comme tu disais déjà, c'est intéressant de les collecter. T'as un aspect déjà en toi qui, je sais pas, de farmer qui se réveille. Enfin, bref. Ouais. Mais en plus de ça, ça t'oblige à constamment. Enfin, tu peux pas te reposer sur tes acquis. C'est-à-dire Ah que ouais. si tu commences à maîtriser un style de jeu avec l'épée, pof, elle casse, tu dois jouer avec la lance. Et là, c'est plus du tout les mêmes mouvements. Tu fais, ah, C'est bon. ça. Bon bah et t'apprends et tu découvres plein de types de gameplay différents et Oui, parce que le jeu te tu... pousse toujours à expérimenter, à tenter des trucs et ce qui est fou c'est que le plus souvent ça marche. Moi ça m'est rarement arrivé de me dire tiens je vais essayer de faire ça. Ah mince, le jeu le permet pas. Dommage, ça, Ouais. très rarement. Très Ah rarement. oui, très rarement. Et puis même au sein même des armes, les armes, elles ont des aptitudes parfois. Tu peux les lancer plus loin, elles ont une Oui, plus grosse les lances, durabilité. Et ce que j'ai ouais. même découvert il n'y a pas longtemps, c'est le coup de grâce. En fait, ce que j'ai compris, c'est que pendant que tu frappes, elle peut donner un coup de grâce comme quand elle se détruit, par exemple. Donc c'est un D'accord. coup qui est plus fort. Ouais. Et tu vois, c'est Ouais, des... le dernier coup, En ouais. fait, ça varie ton gameplay, mais de dingue. Et constamment. Et c'est ça, parce que oui, tu peux pas rester avec une et une seule arme. Parce qu'elle va forcément se détruire, et à un moment, tu vas devoir Exactement. forcément jouer avec une autre arme. C'est ça. Alors que dans n'importe quel autre RPG, pof, tu trouves ton épée level 60. Bon, bah voilà, il n'y a pas mieux. Bon, tu restes avec ça tout le jeu, et puis C'est voilà. ça, ou même tu la définis Là, dès le non. début, dès que tu choisis ton perso, et t'es cantonné à une seule et C'est même arme. ça. Voilà. Je pense, Non, hein, j'ai là, jamais il joué, mais je faut suppose que c'est ça t'expérimenter. dans les Demon's Souls, Dark Souls, tout ça. T'as Oui, une ça, arme et oui, c'est à un... peu près ça, oui. Oui, tout à fait. Donc, non, non, là, pas possible. Donc, non, enfin, bref, voilà, Zelda. Ouais, non, Et c'est... même dans l'approche de son scénario, je trouve que c'est très intéressant. Ah Alors, ouais. c'est vrai que l'histoire n'est pas hyper développée, Non, mais même. c'est pas un truc de fou, mais c'est un miracle de pouvoir, comment dire, d'avoir pu construire une histoire qui peut se faire dans n'importe quel sens, tout en Ouais. comprenant. C'est très intelligent d'avoir fait un Link, qui se rappelle pas de son passé. Parce que Ouais. tu t'identifies à lui, parce que toi non plus tu comprends pas, tu dis bon ben C'est comment on fait ça. là, paf, tu vas prendre les photos pour essayer de te rappeler. Hein. Carrément. Mais justement, en parlant des photos, tu peux tomber dans des endroits qui te rappellent des choses. Donc, t'as des Oui. cinématiques. Et c'est ça, tu vois, ces fameuses cinématiques que je parlais. Et ben, tu les Ouais. as, les in-game. Il suffit d'avoir ça. Ou alors, quand tu vas battre les gros monstres, là, t'as des grosses cinématiques et tout. C'est même doublé en français. Oui, très bien doublé, même en Oh, plus, mais carrément, mais je tu trouve. sens la qualité, tu vois. Tu Ouais, sens ça a été fait la avec mise en amour. scène, la qualité, les voix, tout ça, c'est puissant, c'est... Tu ressens une... Je sais pas, tu sens que c'est fini, que le jeu, il est fini, il a été fini. Ouais, ah, Et... elle était bichonnée ce jeu. Ah ouais, mais carrément. Et puis, il y a une chose que je voulais dire aussi, c'est... Merde, j'ai oublié. Oui, si, que tu passes ton temps à parcourir l'open world, et souvent tu es seul. Et des moments... Eh ben, je sais pas si ça te l'a fait, mais t'es content de croiser quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Oh, tu C'est vois vrai. quelqu'un marcher sur un chemin et tu fais, oh, je vais aller Oh, lui je vais lui parler. parler! Mais Oh, oui. d'où tu viens, machin? Ouais, Et c'est le pire, vrai. c'est que des fois, en fait, ce qui est énorme, c'est que le jeu te troll. Ah, bonjour, tu sais Oui. qui je suis? Non, je sais pas qui t'es. Oh, je suis machin. Mais en fait, je veux te voler ton âme. Et bim, il se transforme. Mais en fait, c'est un Bim, méchant et ouais. tu dois le tuer. Ah, oh, Ouais. c'est Tiens, énorme. merde! Ouais. Ah ouais, Surtout c'est... que. Bah, des fois, tu rencontres un random monsieur, puis en fait, ça t'amène sur une quête annexe où, paf, tu vas chercher des trucs, tu découvres des nouveaux trucs, et c'est ça qui est génial. Ça change des. Enfin, tu vois, encore une fois, dans n'importe quel autre RPG, ce serait plein de monde partout, machin, mais au final, les gens ne servent à rien, à part faire joli. Mais oui. Là, t'en vois un, tu dis, ah, lui, il a un truc à me dire, il a un truc à me raconter, il a un truc à me faire. Sans trop vouloir te spoiler, des fois, tu rencontres un mec, et, pof, t'as des mini-jeux qui se lancent, tu dis, waouh,
putain, j'aurais pu passer à côté. J'en découvre encore des fois, tu sais. J'ai 175 heures de jeu, j'en découvre encore. Mais Donc, ouais, non, mais c'est dingue. Et puis même les quêtes annexes, alors bon, c'est vrai que certaines sont. Ça va, Ouais, oui, tout à fait. c'est pas forcément l'éclate. Et puis même, Va il me chercher 50 champignons, oui. Oui, et puis par contre, il y a peut-être pas. Ouais, alors je dirais peut-être le petit défaut des quêtes annexes, c'est que parfois il n'y a pas vraiment d'intérêt à les réaliser. Parce que Ouais, je suis t'as d'accord. pas vraiment de grosses récompenses, quoi. Non, c'est sûr. Bah, en C'est. fait, en général, Au les moins, le quêtes gars, il me donne annexes. 5 champignons, ouais, super. Oui, Tu tu dis, bon, vois, au bah. moins un peu de rubis, ou Ouais, un c'est peu vrai. de. Ouais, je suis Je sais pas, d'accord. Sur ce t'as pas point-là. assez de. Tu te sens pas forcément gratifié d'avoir fait la quête. Ouais, exactement. Mais en général, c'est des quêtes qui te poussent à aller chercher des trucs. Donc, Oui, ça oui. t'amène à visiter des zones dans lesquelles tu serais peut-être pas allé. C'est peut-être ça, vraiment, le vrai truc gratifiant, c'est de faire des trucs que t'aurais peut-être jamais rien. En fait, c'est la morale du jeu. Qui pour moi, la Ouais, morale du c'est jeu, c'est pas la ouais. finalité. C'est pas là où tu vas, mais c'est le chemin. Ouais, C'est pas oui. le bout, c'est pas le but qui est important, c'est le parcours. Et je vais te dire, tu sais que moi je me sens tellement bien dans cet open world que j'ai qu'après 175 heures de jeu, j'ai tout fait, j'ai fait toute la mission. Vraiment, j'ai plus rien à faire, mais je suis toujours pas allé voir Ganon et j'ai pas envie d'aller le voir, j'ai pas envie d'aller le Non. tuer. Ah, je te jure, j'ai pas envie. En fait, c'est bête, mais j'ai pas envie de finir ce jeu. J'ai envie de, je sais pas, je me dis, il y a encore un truc à faire. Allez. Oh, tu sais quoi, je crois que je réfléchirais comme ça. Alors j'irai au bout d'un moment. Je pense que à ta place, j'y serais déjà allé 36 milliards de fois. Mais je crois que une fois que j'aurais tout fait, je me dirais, putain, c'est fini. Mais j'ai envie tellement Ouais, d'y rester. mais c'est J'ai même ça. peur de pleurer, quoi. Une fois que c'est fini, je me sens Je tellement. J'ai pas envie de quitter ce monde. pense que je vais acheter le DLC, tu vois, pour prolonger mon Je expérience. sais À la même pas ce que c'est limite, le DLC. apparemment, c'est pas top, mais bon, je le prendrai quand même. En fait, ce que je veux, c'est que une fois que j'ai fini le jeu, une fois que j'ai tué Ganon. Je voudrais que ce soit un point final à cette histoire. Et voilà, un peu comme ta philosophie, en fait. Ah, mais Tu ce disais sera le que tu cas ne pour moi. refaisais jamais un jeu. Paf, je ferme. Bon, c'est fini. C'était une excellente aventure. Tu vois, Ah, mais j'ai c'est vraiment que exactement ça se ça. finisse et que ce soit, tu vois, Ah, mais me moi donne je une sais que bonne quand je vais aller fin. battre Ganon, pour moi c'est la fin du jeu. C'est fini. Après, je referme le livre de mon aventure. Pour moi, c'est ça. Ouais. Bah, écoute, j'avais Bon, une ben, philosophie pas. ce podcast sur Zelda est très intéressant. Ouais, en plus, il y a tellement de choses à dire. Bah, tu sais quoi? On va parler de Red Dead 2. Ah ouais, ça je veux vraiment faire le parallèle avec ce jeu et que tu m'en parles. Mais en fait, si tu veux, on va parler de Zelda aussi, parce Ah que mais je pense que je vais oui. faire plein de parallèles. Et Mais c'est ce voilà. que j'ai Mais dit, on va faire le parallèle. Hein. Oui, vas-y, hein. Fais-toi plaisir. bon, Red Dead 2, pour ceux qui connaissent pas. Non, tout le monde connaît, ça sert à rien. Oui, ça c'est bon. Je pense que ça sert à rien. Le jeu, c'est quoi? C'est le deuxième plus gros démarrage de tous les temps, quand même. Ouais, je Donc, crois. Bah oui, je mais pense qu'il n'y a pas tu sais quel est le présenté. premier? C'est GTA Donc, 5. bah oui, voilà, donc c'est du Rockstar aussi. Rockstar, Rockstar. Je pense que, bon, on pourra difficilement faire mieux que GTA 5. À voir. Donc voilà, ça fait un peu plus de quoi? Ça fait une semaine et demie que je joue ce jeu. Ouais. Bah, en fait, si tu veux, c'est simple. J'ai eu une semaine de vacances. Ouais. Je jouais à Red Dead 2 toute cette semaine. C'est simple, hein. D'accord. Et j'ai pas fini le jeu. Ça, c'est un bon point. Ouais. Ou pas. Enfin, ça dépend de ce que tu attends dans un jeu vidéo, finalement. Tout Mais dépend. Tout dépend le plaisir que tu y prends après. Hein. C'est ouais, c'est ça, pareil. c'est Hein. ça. Donc, tout à l'heure, je disais que c'était deux visions diamétralement opposées du jeu vidéo. Parce que c'est vrai qu'on peut dire que dans le jeu vidéo, tu as ceux qui recherchent une bonne histoire, une ambiance, une immersion, et ceux plutôt qui recherchent le gameplay pur et dur, tu vois. C'est un peu celui qui joue à Uncharted 4, celui qui joue à Dark Souls, tu vois. Ouais, je vois. Et ben, ils attendent pas les mêmes choses Ah d'un non. jeu vidéo. Ah non. Bah, la preuve, je joue à Uncharted 4, je joue pas à Demon's Souls parce qu'il y a des choses dans l'un que je veux pas dans l'autre. Exactement. Et Et parce voilà. que c'est subjectif, justement. Exactement. Petite référence. Oh là là. Oh là là! Attends, tu l'as vu au moins le podcast ou pas? J'en suis à la moitié. Ah Je n'ai pas d'accord. fini, j'en suis à la moitié. D'accord, J'ai d'accord. écouté ça dans le train, c'était merveilleux. Enfin, bref. Ah d'accord. Bah, c'est ça, c'est cool. Où en étais-je? Oui, donc voilà, il y a deux tendances qui se dégagent un peu dans le jeu vidéo actuel. C'est l'immersion, la narration. Et d'un autre côté, le gameplay, les mécaniques un peu plus huilées. Et en fait, c'est simple. Zelda Breath of the Wild, c'est le gameplay, la liberté, le jeu vidéo son paroxysme, si tu veux. C'est-à-dire que ça utilise toutes les spécificités du média. Là où Red Dead Redemption, lui, se repose plus sur des acquis cinématographiques plutôt Je que vois. propres aux jeux vidéo. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Carrément. que les cinématiques, elles défoncent, la musique, elle défonce. Bon, c'est pas propre au cinéma, mais voilà. La narration est très bonne. Et après, je trouve qu'en fait, là où je pêche, bah, c'est sur son statut de jeu vidéo, en fait. Le C'est ce que gameplay, je j'allais trouve dire. ça J'allais dire, mou mais est-ce que c'est un jeu répétitif. vidéo en fait?
Ben, c'est exactement ce que je lui reproche, c'est que c'est un très bon film, une très bonne histoire, une très bonne aventure que je n'oublierai pas de sitôt. Mais en tant que jeu, en tant que lui-même, je trouve que le gameplay, bah, c'est lourd. Bon, on joue un cow-boy, ça peut se comprendre, mais je trouve ça lourd, les Mais phases au de final, gameplay. tu sais quoi, tu soulèves une interrogation qui est super intéressante en fait. C'est est-ce que le réalisme ne tuerait pas Exactement. le jeu vidéo? Enfin, Mais pour moi, ce qui définit plutôt un jeu vidéo, parce que là où Breath of the Wild, bah, tu sais que c'est un jeu vidéo. C'est pas fait pour être réaliste. Enfin, je veux dire, t'as pas des graphismes réalistes. C'est un héros qui est fictif. L'univers est fictif. Et du coup, dans du fictif, tu peux te permettre des choses incroyable. Et la définition d'un jeu vidéo, c'est faire des choses que tu ne peux pas faire dans la vraie vie et qui peuvent te surprendre à tout moment. Tu peux avoir un gros monstre, tu peux avoir un machin. Et dans un jeu qui se veut trop réel, tu ne peux pas être surpris, vu que tout ce que tu verras, c'est la réalité. Et la réalité, c'est ce que tu vois dans ta vie de tous les jours déjà. Ouais, bon après, ma vie de tous les jours, c'est pas Red Dead Redemption Non! 2, Non, mais mais... ce que je veux dire, c'est que, je sais pas si t'arrives à saisir ce que je veux dire, c'est que dans Zelda, tu peux tomber contre un gros monstre de 3 mètres de haut. Ah oui, tu Alors parles dans de Red l'aspect... Dead, tu peux pas tomber sur une créature sortie des enfers. Parce Ouais, que mais ça, c'est plus c'est le ce qu'on est genre dans de le monde jeu qui est réel. différent. Oui. Oui, je suis d'accord, mais du coup, est-ce que finalement, dans tous ces jeux qui se veulent réels, est-ce qu'on ne s'éloignerait pas du concept du jeu vidéo? Et je parle de Red Dead, mais on peut parler d'Uncharted, on peut parler de plein de choses, de tous les jeux Ouais. qui se veulent vraiment dans le monde réel. Mais en fait, c'est surtout dans ces mécaniques de jeu que le jeu se veut trop, lorgne trop du côté du cinéma. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce que tu vas faire dans le jeu, c'est une animation qui dure. Par contre, magnifique l'animation, super bien modélisée, c'est vraiment beau à en pleurer. Mais à la fin, ça devient lourd. C'est-à-dire quand tu vas récupérer un objet, vraiment, ton personnage s'arrête, il prend l'objet, pof, il le met dans sa sacoche. Je Là où dans vois. d'autres jeux, t'appuies sur croix, pouf, c'est dans ton inventaire. Bah Zelda, par exemple. À la fin, ça devient un peu lourd, puis tu dis, bon, bah, j'ai même pas envie d'aller voir cette maison, ça me saoule déjà d'avance de looter des choses qui me servent à rien. Et je dis pas ça par hasard, de dire looter des choses qui me servent à rien. Je dis ça tout simplement parce que dans Zelda, ça sert à quelque chose, d'aller explorer, d'aller chercher du stuff, chercher des trucs pour améliorer son stuff, comme je viens de dire, avoir de nouvelles armes, ça. Dans la tête, ça sert à rien, parce que, bon, bah, tu trouves un autre flingue, mais il est pas forcément plus puissant qu'un autre, donc bon, bah... Ça me sert à rien. Tu vas trouver quoi? Une nouvelle veste? Bon, bah, elle a aucune spécificité. C'est-à-dire que dans Zelda, par exemple, ça peut te permettre de rester au froid. Ça a un impact sur le gameplay. Là, ça n'en a aucun, si ce n'est esthétique. Donc, au final, bon, bah, au début du jeu, tu vas chez le tailleur, pof, tu te fais ton petit ensemble sympathique que t'aimes bien. Puis après, bon, tu changes pas du jeu. Et c'est dans tout ce genre de choses que je trouve que le jeu pêche, si tu veux. Non Et mais j'ai compris, mais finalement, c'est le problème de tous les jeux. je crois que c'est la faute de Zelda, hein, parce Mais que si oui. ce jeu j'y avais joué avant Zelda, j'aurais pas vu toutes ces choses-là. Je me serais dit, ah, excellent, je peux faire ça. Non mais ce que tu dis là, Mais. c'est symptomatique de tous les jeux en fait actuels. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure quand j'ai dit pourquoi est-ce que j'aimais tant Zelda. À un moment j'ai dit sa gestion de l'inventaire. Et en fait, c'est Ouais. exactement ça, c'est parce qu'en fait, tous les jeux avant Zelda, et même qui sortent là actuellement, en fait, ils n'y arrivent pas. En fait, au niveau de la gestion de l'inventaire, Suivent pas. c'est pas optimal. C'est-à-dire que c'est exactement ce que tu dis. Tu vas prendre un truc, mais il n'y a pas forcément d'intérêt. D'intérêt, Alors exactement. qu'en fait, dans Zelda, bah, pratiquement tout a de l'intérêt. Il y a peu de choses qui ne servent à rien dans Zelda. La cuisine, par exemple. Dieu, mais ça, Non, mais. tu peux faire des choses de fou avec la cuisine dans Zelda. Ah non, mais ça, heureusement qu'elle est là, Après la ça. cuisine. Oui, au début, ça te sauve. Hein. Quand tu dois aller dans les montagnes, au début, les piments, Non, cuisiner les oui, piments, mais moi, ce genre j'adore de choses. me préparer des plats Ouais. qui augmentent ma force ou ma défense. Ça, c'est ultime, c'est génial. Ouais. Bah, je dirais que. Enfin, je sais pas si toi, mais moi, plus d'une fois, le jeu m'a donné l'impression d'être intelligent. Dans le sens où Oui. je me dis, tiens, si je mélange un œuf avec ça, pof, ça fait. Ah ouais, ça fait une omelette. Je dis, Oui, bah waouh, tu sais, oui. tu te sens intelligent d'y avoir pensé, tu vois, le jeu. Oui. Ça, Non, c'est c'est formidable. vrai. Et puis Mais même, du ouais, des coup, fois, tu voilà. t'amuses, t'as plein de petits ingrédients, tu dis, tiens, et si je les mélange tous ensemble, qu'est-ce que ça fait? Et pouf! Ouais. Ah, un plat dégueulasse. C'est le Oui, ça plat. arrive. Ça arrive des fois, ça. Mais voilà. Donc, en fait, si tu veux, je trouve que Red Dead Redemption, l'open world, bah, il n'y a aucune mécanique ludique dedans, en fait. Pour moi, il me sert juste à me déplacer d'un point A à un point B, d'aller d'une mission A à une mission B. Mais l'explorer en soi, ça ne m'apporte absolument rien. Alors, c'est très beau. C'est vraiment très beau, par contre. C'est très, très beau. La direction artistique est super belle.
Mais encore une fois, bon, je veux dire, bon, bah, à part chasser, bon, tu chasses, mais encore, ça sert à quoi de chasser? Avoir de l'argent, mais l'argent te sert à quoi? T'en as pas trop besoin. Enfin, tu vois, à chaque fois, je me dis, tu peux faire ça pour avoir ça, mais ça ne sert à rien au En final. fait, T'en as ouais. pas l'utilité si tu veux. En fait, là, tu Et. touches ce qui me déplaît dans les jeux aujourd'hui. Mais c'est indirect. Mais c'est pas ce qui me déplaît, mais ce qui m'empêche de m'y accrocher. Parce qu'en fait, moi, et je suis comme ça dans la vie, quand je fais quelque chose, j'aime que ça ait un intérêt. Quand j'achète quelque chose, j'aime qu'il me serve. Et c'est pour ça que, par exemple, je ne suis pas un collectionneur. Tu vois, Ouais. c'est tout con. Mais c'est parce que je sais que ça ne va pas me T'as pas servir. Alors, d'utilité. effectivement, j'ai quelques petites babioles Star Wars, mais parce que je me dis, voilà, quand je les regarde, enfin, ça me plaît. Mais tu vois, je ne vais pas être du genre à collectionner des pop, parce qu'après, je vais me dire, bah, tiens, je vais les collectionner juste pour les collectionner. Elles ne m'apportent même pas un intérêt visuel. Mais bref, au-delà de ça, au-delà de ma vie perso, dans le jeu, si moi, je commence le jeu. Alors au début, c'est comme je te disais, il y a une première phase où je vais tout découvrir, j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça cool. Puis après, j'intègre les mécanismes et c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire tu vas faire quelque chose et tu vas dire, oui, mais alors ça, qu'est-ce que ça a un impact que je le fasse? Si À je quoi trouve ça un sert? intérêt à ce que je fasse ça, alors ok, je continue. Puis je découvre d'autres mécaniques, d'autres choses et je me dis, ah ça ok, mais pourquoi? Et pour quel intérêt? Et le truc, c'est que bah, dans Zelda, même si au début, alors il y a certaines choses, voilà, que je voyais pas l'intérêt, c'était pour ça que j'ai lâché. Puis quand j'ai recommencé, tu trouves des trucs sur la map qui donnent des intérêts à des items que tu as récoltés depuis un bon moment. Je parle par exemple des minerais, des lézards, tu vois, des Ouais. machins comme ça. Et donc Et du coup, même le plus tout devient improbable, tu important. Voilà, verras. c'est ça. Et donc tout devient important. Là où justement, en fait, dans tous les jeux, on en revient à la gestion de l'inventaire, c'est ça, c'est que, eh ben, tu vas faire un truc et tu n'y vois pas d'intérêt. Et c'est ce qui me fait lâcher le jeu. Parce que du coup, en fait, je me dis, mais au final, si ça n'a pas d'intérêt, si ça n'a pas d'intérêt, si ça, bon, c'est très peu intéressant, eh ben, quel est l'intérêt carrément de jouer, en fait? Et voilà, et donc du coup, je le lâche. Ouais, beaucoup de jeux, c'est de créer un intérêt artificiel dans les quêtes secondaires. Par exemple, dans Red Dead Redemption, et je le reconnais, t'as beaucoup de quêtes secondaires scénarisées, si tu veux, donc avec une petite histoire, une petite quête un peu qui sort de l'ordinaire. Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'elles sont toutes composées de la même façon, si tu veux. C'est-à-dire que bon, bah, tu dois chercher le truc, pof, tu le trouves, mais à la fin, enfin, quoi que ce soit, tu sais qu'à la fin, ça finit en fusillade, c'est des vagues d'ennemis qui arrivent, tu vas te planquer, pof, tu vas te barrer en cheval, tu vas une course poursuite, tu Voilà. vois. C'est tout le temps la même composante de mécanismes, tac, tac, tac. C'est bien huilé, mais ça suit tout le temps, pouf, pouf, pouf. Oui, tu sais déjà ce qui va t'arriver. T'auras pas d'effet de surprise. T'auras pas de dire, tiens, si je fais ça. Ouais. Mais tu sais Ah, et que. aussi, tiens, tu me rappelles quelque chose, Vas-y, vas-y. pardon de te couper, Non, non, vas-y. mais autant Zelda te donne une approche. Mais d'une liberté absolue. Quand tu passes à Red Dead Redemption 2 après, ça fait mal. Hein. Par exemple, j'avais une mission où je sais plus ce qu'il fallait que je fasse, je crois qu'il fallait que je bute un mec, j'étais avec un autre gars, il fallait que je tue d'une certaine façon, mais je l'avais pas fait de cette façon-là, tu sais, j'avais pas envie, je dis bon, bah, je vais faire comme ça, tu sais, j'ai envie, quoi, c'est moi le joueur, tu vois. Ouais. Paf, échec de la mission, recommencer, vous l'avez pas fait comme on voulait. Et je dis, bah, c'est quoi, c'est un couloir en fait, le jeu, c'est un open world, mais Et oui, on n'a frustre. aucune liberté d'interaction, enfin. T'as un retour arrière. Là où dans Zelda, t'as aucun retour arrière. T'as Ah non, non, aucun non, endroit où il dit échec et tu reviens à un point de sauvegarde, tu vois. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, ça. C'est très vrai. Et surtout que dans Zelda, c'est tout bête, mais je viens d'y penser là, comme Vas-y, ça forcément vas-y. en rapport avec ce qu'on disait tout C'est de le suite. but. Mais je repense au sanctuaire, tu sais. T'as dit qu'on pouvait se téléporter face au sanctuaire. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que t'as aucune incohérence vis-à-vis du fait que tu peux téléporter à tel endroit ou tel endroit. Parce que la tablette Sheikah te le permet. Enfin, le permet à Link, en fait, si tu veux. Oui. Dans le jeu, c'est possible. Donc, j'ai moins de remords quand je vais me téléporter quelque part et me dire, ah ouais, mais bon, je passe à côté de. Tu vois? Par exemple, dans un jeu RPG, quand je me téléporte, je me dis, bon, bah là, clairement, le gars, dans la vraie vie, il peut pas se téléporter, quoi, tu vois? C'est ça. Là, Alors c'est après, totalement justifié, tu tu peux fais dire que ça passe sans. sous silence le moment où il y va. C'est ça que tu peux te dire. Ouais, mais tu vois, c'est le genre de détails qui me gênent, tu vois? Oui. Ça me gêne quant à mon immersion dans le jeu. Ouais, je C'est comprends. con, hein. Alors que là, C'est très, très con. tu sais que c'est pas un passage sous silence du voyage de ton héros qui va faire sans toi. Voilà. C'est C'est une Zelda qui décision. va se téléporter et Link, tu te Link! téléportes. J'ai dit Zelda, oula. Ça dit Mais Zelda, ouais, Link qui se téléporte en même temps que toi et qui arrive en même temps que toi, en fait. ouais. Ouais, c'est ça.
Et ça, mais c'est simple, je pense que Zelda, il a peut-être, je sais pas, 5-6 ans d'avance sur tout ce qui existe actuellement en Ah ouais. open world. Et d'ailleurs, je pense que ça a eu un impact sur sur le développement de Red Dead Redemption 2. Parce qu'ils ont essayé de rajouter, je suis sûr, parce que tu as la possibilité de mettre des manteaux où ils te font croire qu'en fait, ton personnage a plus chaud, du coup, tu peux aller dans les zones un peu plus froides, Ah, j'ai vu etc. ça. Sauf qu'en fait, moi, vraiment, j'ai ressenti aucun impact. Hein. Tu peux te balader en t-shirt dans les montagnes, il se passe rien. Et je pense que c'est un truc qu'ils ont rajouté vite fait à la fin. Ils ont fait, oh, Zelda, ils ont fait ça en Zelda, c'est trop bien, paf, on va le faire. Mais bon, du coup, le jeu, il a 7 ans de développement, tu changes pas ça comme ça. Hein. Bah oui. Mais tu sens, moi, je pense vraiment que ça aura une réelle impact, Zelda, sur la façon de concevoir les mondes ouverts. Carrément. Mais après, qu'on soit d'accord, en fait, on critique pas forcément les jeux aujourd'hui, parce qu'en fait, on se rend compte, grâce à Zelda maintenant, à quel point c'est compliqué, en fait, Ah oui. de trouver un dosage parfait, ce dosage parfait que Zelda a trouvé. Ah oui. Et je sais même pas comment ils pourront le réitérer pour un prochain Zelda, par Et exemple. oui. Mais Je. moi, j'y pense même pas, et limite, en fait, je fais confiance aux gens, aux développeurs, parce que Oui, t'as à raison. chaque fois, je me dis ça. Je l'avais dit dans une vidéo il y a plus ou moins longtemps, je sais plus, où je disais, ouais, je sais jamais comment ils vont faire après, mais au final, ils arrivent toujours à trouver un truc. Tout le temps. Là où dans, je sais pas moi, le Mario sur Nintendo 64, où il était en 3D, tu disais, mais comment ils vont pouvoir faire mieux? Bah après, ils t'ont sorti un Galaxy. Et puis après le Galaxy, tu dis, comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire mieux? Alors, ils ont peut-être pas forcément fait mieux, mais ils t'ont sorti un Odyssey. Ouais, ils ont pas fait moins bien. Non, voilà. Après, tu te dis, bah oui, mais dans Odyssey, il avait un chapeau et tout. Il y a certains mouvements, du coup, qu'on va plus pouvoir faire dans les prochains. Il va y avoir une régression. Mais moi, je me fais pas de soucis. Parce que je me dis, tu vas voir, ils vont trouver un truc. Et ben là, c'est pareil. Pour moi, je me fais pas de soucis pour le prochain Zelda. Ils vont trouver quelque chose. Ah, de toute façon, c'est clair que Nintendo, quand tu regardes les jeux qu'ils ont sortis, que ce soit Mario 64 à l'époque ou même Zelda Ocarina of Time, déjà, c'est deux jeux qui ont défini de comment tu fais un jeu en 3D. Déjà, c'est pas mal. Je pense que Odyssey, même Odyssey pour le sens du détail, du truc caché, un peu, tu vois, je pense que ça aura un impact aussi. Mais bon, même si Zelda, pour moi, est vraiment une plus grande ampleur, mais pour moi, c'est des gens qui redéfinissent la façon de faire un jeu vidéo. À chaque génération presque. Ah oui, c'est clair. Non, mais c'est vrai que même dans Mario, j'ai eu envie de tout regarder de partout, de tout Ouais. fouiller. Puis... Alors, moi, le jeu, bon, du coup, on bifurque un peu sur Mario. Je l'ai fait, si tu veux, je l'ai fait une fois, puis je dis, bon, c'est bien. Je suis pas forcément prêt à retourner sur les niveaux, les farmer, mais je trouvais que c'était une belle aventure, tu vois. J'ai D'accord. vraiment, j'ai apprécié, quoi, tu vois. C'était mon petit moment le soir, pof, Mario D'accord. Odyssey. Ah non, là où moi je Belle l'ai aventure. fait à total 100%, je l'ai Ah torché, ouais, d'accord. j'ai torché, Ah oui, non, mais retorché, j'ai tu. tout fait. Tout, 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 tout. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de. Ah mais Il j'ai y a tout beaucoup de fait. lunes, quand même. Ah Ah oui, mais j'y ouais. ai passé, je sais pas, bah, peut-être près de 100 heures, je sais plus. Bon, ça, entre ça et Zelda, la Switch, elle est rentabilisée, Ah bah large, large, là. oula. Et j'aime bien ceux qui disent, oui, la Switch, elle a pas assez de jeux. Non mais Mais deux si. jeux, ça Non mais suffit! si, vous voyez, si tu arrêtais de vouloir torcher les jeux et à passer au suivant, tu vois, c'est la société de consommation, tu vois. Allez, vite, j'ai un truc, oulala, il y a ça qui sort, vite, 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 faut que je finisse ça pour Ouais. enchaîner sur autre chose. Mais non, mais mon Ouais. gars, prends ton temps, et c'est ça aussi que je trouve avec le Zelda. C'est cette impression de pureté d'un jeu et de. Tu y mets vraiment ton âme dedans, un peu T'as comme pas on envie de faisait le avant. rusher. Ouais, c'est. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais quand tu fais de rusher les jeux. Parce que, Oui. hey, c'est un peu ce qui m'est arrivé avec Red Dead 2, en fait, quand j'y repense. C'est-à-dire que bah, j'étais en vacances, donc chez moi, chez mes parents, là où il y a la PS4. Je dis, bon, bah, j'ai une semaine pour faire le jeu. Il faut que j'aie fini l'histoire à la fin de la semaine. D'accord. Parce que je peux pas y jouer à Reims actuellement. Parce que Et je n'ai pas de oui. PS4 là-bas. Et forcément, je pense que ça a eu un impact quant à mon appréciation du jeu. Le fait de dire, bon, bah, on va faire les missions principales, tac. Des fois, je faisais des quêtes annexes, mais bon, comme je ne trouvais pas intéressant, ça n'a pas non plus. Tu vois, ça n'a pas non plus. Je ne suis pas senti coupable non plus d'un peu rusher le jeu. Ouais. Mais au final, j'ai tout de même pas fini le jeu. Hein, Oui, bon. du coup, c'est vrai que peut-être j'ai. J'étais peut-être pas dans le bon état d'esprit pour l'apprécier pleinement, parce que ça se veut très contemplatif, pardon. Oui, t'étais pas Mais là à t'arrêter, à regarder et tout. ouais, tu vois, c'est ce que je me reproche peut-être un peu, tu vois. Mais bon, ça n'en change pas moins Oui, tout ce que j'ai mais dit sur le jeu et les si. critiques que j'ai. Alors, si tu l'as pas fait, peut-être que le jeu ne t'a pas donné l'envie de le faire. Ou Bah, alors peut-être que tu étais exactement. trop dans ton truc de te dire ouais, faut que j'en fasse au maximum vu que j'ai qu'une semaine. Mais Non, en tu vois. fait, je veux dire.
C'était quelque chose. Enfin, je me dis, toutes les quêtes annexes que je faisais pas, ça me rendait un peu. Je me disais, ah, c'est dommage, je passe à côté. Mais en même temps, quand j'en faisais une, je me disais, bon, c'est un peu chiant. C'est ça, mais J'ai c'est pas ce que envie de je me faire dis ça. moi à chaque fois. Parce que, et Mais. mais c'est pour ça que j'en viens à quand je fais des jeux comme ça, un peu à la Red Dead, où tu vois, ou quand t'as plein de trucs annexes à faire, et ben, je me dis, ah, ça me fait chier de passer à côté ou de pas tout looter ou quoi que ce soit. Mais en même temps, quand tu le fais, ben, tu t'ennuies. Donc en fait, c'est à double Exactement. tranchant et tu te tranches des deux côtés, quoi. Ouais. Soit si tu te tranches parce que tu dis, ah, je le fais pas, donc je passe peut-être à côté de quelque chose et puis je profite pas, je rentabilise pas mon jeu à fond. Soit tu le fais, mais tu dis, même quand je le fais, mais je m'emmerde. Le jeu te fait culpabiliser en fait. Oui, Dans tous mais les pour moi, cas. ça c'est tous les jeux comme ça, tu vois. Ouais. Zelda, c'est le seul qui réussit à faire ça. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand t'es quelque part, t'es pas inondé de choses à faire, tu les découvres au fil de l'eau. Donc du coup, t'as envie de les faire. Ouais, Et je reviens exactement. juste aussi sur le truc le contemplatif, tout ça. C'est aussi très très rare dans un jeu que je me pose et que je regarde la beauté du jeu. Très rare. Pourtant j'adore ça, hein. Pourtant j'adore les beaux graphismes, j'adore les beaux panoramas, j'adore, mais c'est très rare où je prends mon temps. Ou alors, naturellement où je m'arrête. Eh ben, figure-toi que dans Zelda, eh ben ça m'arrive ça. Des moments, tu sais, t'as le soleil qui se couche ou qui se lève, t'es dans un endroit, dans une sorte de prairie, avec de l'herbe bien haute, t'es sur une Oui. colline comme ça, bien verte, et puis tu vois au loin, Ouais, c'est ça te fait magnifique. une lueur sur l'herbe qui ruisselle comme ça, qui brille, et t'es là d'un coup, mais ça m'arrive jamais dans un jeu, et là ça m'arrive d'un coup, il y a ça qui se passe à l'écran, et je suis soufflé, je fais bah, et je m'arrête d'un coup, je fais oh putain, c'est beau! Et je suis là, je m'arrête. Je suis là, j'écoute. T'as les petits oiseaux qui chantent, t'as la nature, t'as le vent, t'entends le vent, Petite t'as musique, une petite l'herbe musique au qui. fond. Oui, et puis la petite mélodie, Et Ouais, ça fait son effet. Et puis t'es ouais. là, tu fais oh putain, le temps s'arrête. Oh. Et tiens, Ouais. en parlant Ouais, des musiques, il y a aussi tout dépend des endroits où t'arrives, t'as une petite musique qui s'enclenche et tu fais oh putain, c'est cool, je je suis suis peut-être chez en train moi, je sais où je d'arriver. suis. Ouais, je suis en train d'arriver à un endroit Parce où qu'après, tu peut-être. reconnais les endroits un peu en fonction des Les musiques, musiques des hein, parce que... villages. Ouais. Ah ouais. Mais tu sais que beaucoup de gens, enfin moi, à titre personnel, je trouve la musique de Zelda, Breath of the Wild, absolument fantastique. Pour dire, j'écoute très souvent sa musique, sa BO pour m'endormir le soir. Ouais. Beaucoup disent, ouais, il n'y a jamais de musique et tout. Mais oui, c'est très rare, mais ça n'en fait que renforcer son impact, je trouve. Et surtout, enfin, le jeu s'appelle Breath of the Wild, quoi. J'ai envie d'entendre les oiseaux, l'herbe, le vent qui passe dans l'herbe, pas forcément de la musique épique. C'est ça. Alors en Voilà. fait, je pense que le problème, c'est justement par rapport à la subjectivité et l'objectivité qu'on parlait avec OCM dans le podcast 10, c'est qu'en fait, les gens se basent sur des... Ce qui n'est pas forcément un mal, mais les gens se basent sur des critères pour juger un jeu. Et ce qui est passé dans les normes de jugement d'un jeu, c'est notamment la bande son. Et quand tu dis bande son, eh ben, chez les gens, c'est il faut qu'il y ait tant de tracks. Tant de soundtrack, tant que ça arrive à tel moment du jeu, et qu'il y ait tant de machin. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que quand on juge, ou plutôt, enfin, je sais pas comment le dire, mais bon, une bande son dans un jeu, eh ben, c'est pas forcément des musiques. Et Zelda le défend, enfin, le montre très bien, c'est que sa bande son, c'est pas forcément des musiques, ce Ouais, sont c'est le des sound design. mélodies. C'est là où est Ah oui, toute la aussi. différence. Ce sont des mélodies. Et la différence entre mélodie et musique, c'est totalement différent. Et on peut dire d'un jeu qu'il a une très bonne bande son, même s'il n'est composé que de mélodie pour moi. Et pour moi, c'est le cas de Zelda. Ouais. C'est-à-dire que, ouais, effectivement, il n'a pas des musiques marquantes, mais il a des mélodies marquantes. Bah, tout à fait. Et d'ailleurs, sache qu'il y a quand même un thème qui a un peu plus d'ampleur, si tu veux. Je te dis pas où c'est, pourquoi, machin. D'accord, ouais. Mais t'as, pour moi, il existe vraiment bel et bien même des vraies musiques. Tu vois. Enfin, les mélodies sont des vraies musiques, mais un vrai thème qui claque, tu vois. Pour moi, il existe aussi. Donc, bon, après, c'est Bah là, subjectif. dans ce que je connais, comme ça tu pourras me. Enfin, pas me spoiler, mais tu pourras me dire le fond de ta pensée. Je sais qu'il y a des musiques qui s'enclenchent bon, quand tu arrives dans les villages. Il y a des musiques qui Ouais. s'enclenchent quand tu te bats contre des mécaniques, là. Ouais, Ouais. mince. Oh non, j'ai passé beaucoup trop d'heures sur le jeu pour oublier leur nom. Des gardiens, Des mais gardiens, oui. voilà. C'est Bon, des des gardiens. gardiens. Alors aussi, c'est une musique mélodie.
qui me fait flipper à chaque fois. Enfin, c'est pas flipper, mais elle me met mal à l'aise. Et puis même avec tout ce qui se passe autour, c'est quand t'as la lune rouge, la lune de sang là. Ah À l'approche de ouais. minuit, ça fait tananana, t'as tout qui devient rouge, t'as des Ouais. particules et tout. Tu fais, ah putain, c'est une ambiance, j'aime pas ça. Et pour la fois que ça t'arrive, tu fais ah, quoi? Oui, tu Tu fais comprends putain, pas qu'est-ce ce qui qui se se passe. passe? Ouais. Puis à la Non, fin, tu mais. t'habitues, tu dis bon, D'accord, ok, mais. c'est la lune rouge, la lune de sang. Mais ouais. Donc, non, non, moi, je. En fait, c'est simple, je trouve très peu de défauts à ce jeu, si je devais en donner. J'arrive pas, moi. Alors, si je Enfin, devais je en cherche donner, pas, mais. si. J'en donnerai un, c'est les. Alors, je sais pas si t'en as fait, c'est les donjons, les gros donjons. Bah moi, à part les sanctuaires et les. Ouais, les. Bah non, après il y Les a pas. quoi? Bah non. J'ai pas envie de spoiler quelque chose. Bah non, mais à mon avis, tu vas. Non, mais me dis rien, parce qu'attends. Ok, En je fait, dis si tu rien. veux, j'avais entendu parler de ça, des donjons. Mais pour le moment, j'ai pas l'impression d'en avoir fait. Bon. C'est lié à des sanctuaires ou pas? Non, c'est lié la quête principale, dirons-nous. Parce que moi. En quête principale, pour le moment, tout ce que j'ai, c'est les photos, les sanctuaires à faire, les quatre créatures. Oui, bah c'est ça, c'est les créatures. Ah, d'accord. D'accord, Ah, ouais. si, les donjons dans les créatures. Ouais, dans les créatures. Ah, donc en fait, il y en a quatre. Enfin, Ouais, bah, il y en a ok. quatre, ouais. Bon, on est d'accord. Bon, bah si, T'en en fait. as fait un ou J'en ai fait pas? deux. T'en as fait de bon, bah t'as fait lesquels pour que je sache, pour pas que je spoil quelque chose. T'as fait Zora? C'est la voilà l'aquatique là avec sa trompe l'espèce d'éléphant marin là Ouais, et ouais. le lézard autour du volcan. D'accord. Tu vois, je trouve que Varuta et dans leur Rutan, design à bref. l'intérieur, ça manque d'ambiance, je trouve. Là où dans les anciens Zelda, tu vas dans le temple de l'eau, dans je sais pas, dans un Twilight Princess tout, enfin, ils ont une vraie gueule, quoi, tu vois. Bon, peut-être parce que Là, tu ça s'en assimiles fout trop un ça peu. à ce que tu t'attendais dans les autres, alors que moi, sachant que je n'ai fait aucun Zelda avant. Je m'attendais rien. Ah, Enfin, t'en as fait pour moi, aucun. Ah ouais, mais c'est pour moi, sûr. c'est des sanctuaires comme n'importe Ouais, lequel. c'est Enfin, ça. Ouais, non, j'attends non. rien, donc non. Ouais, non, non. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. C'est tout à fait pour ça. Parce que quand t'as joué à pas mal de Zelda, quoi, tu les attends, les gros donjons, quoi. Tu vois, Oui, parce qu'ils ont une ambiance particulière et mais tu vois, c'est là où il y a vraiment la différence. fantastique. C'est que tu vois, toi, tu les appelles des donjons. Là où moi, je les appelle pas comme ça. Ouais, Enfin, je les c'est appelle pas clair, ouais. tout court. Enfin, pour moi, alors c'est vrai que oui, si tu dis oui, alors ça c'est des donjons, alors dans ce cas tu vas avoir l'image des anciens donjons, des anciens Zelda, et tu vas te projeter dedans. Là où pour moi, en fait, ce n'est que une épreuve parmi tant d'autres. Ouais, du coup, forcément, toi, le manque de vrais donjons, enfin, Ah, je mets les j'ai guillemets, aucun manque, hein, ouais. mais il te manque pas, voilà, Voilà. exactement. Mais ça, voilà, c'est totalement, encore une fois, c'est subjectif, quoi, c'est lié à notre parcours de joueur qui est différent, donc on n'attend pas les mêmes choses du jeu. Mais encore, voilà, ils sont pas mauvais, hein, c'est juste que dans leur esthétique, Oui, je bah trouvais ils sont ça un peu fades. impersonnel. Non, mais ça c'est Voilà. clair, oui, parce que t'es à l'intérieur Voilà. d'une créature qui est toute faite en. Ouais, non, mais bon, c'est sûr que Voilà. c'est Mais plutôt fait. après, ça reste quand même un miracle que tu puisses les faire dans n'importe quel ordre, dès le Ouais. début du jeu. Il y a des Voilà. petites surprises aussi, des fois, sur lesquelles tu tombes dans Zelda. Enfin, je sais que j'ai été tout au nord-est. Et tu sais, tout au nord-est, t'as une espèce de cube. Nord-Est. Ah Le oui. labyrinthe. C'est. Enfin, c'est. C'est Oui, t'as plein de sorti de trucs nulle dans les part, mais. labyrinthes. Bon, bah, ok, labyrinthe. Mais tu fais ok, c'est cette espèce de gros carré qui est là, comme ça, posé, avec une épreuve en plein milieu, des machins à Ouais. trouver et tout. Ok, bah super, mais Ok, c'est sorti de bon. nulle part, mais c'est bien. Ouais, tu l'as Voilà. fait? Oui. Ouais, t'as vu, c'est assez ludique, c'est très intéressant. Non, c'est cool, ah oui, je l'ai fouillé de fond en comble, j'ai eu tous les trésors. Non, puis ce qui est génial, c'est que quand t'as une quête, il te dit pas, bon, bah, tu vas à cet endroit-là. Il dit, non, j'ai vu un truc par là, proche de l'arbre, C'est machin. Du vrai. coup, tu prends un peu d'hauteur, tu cherches, tu trouves pas, à la limite, t'es un peu agacé. Et puis, par contre, quand tu trouves. Hein, Alors je te cache pas que j'ai et été voir des fois des solutions hein, pour résoudre des trucs. Hein. ah ouais Ouais. Mais j'en culpabilise pas de ça. Des fois je me dis, non oh tiens, peut-être la flemme de passer trop de temps à chercher, à savoir comment faire, alors vas-y, je vais voir des solutions. Mais ça me ouais dérange moi pas. je... ouais Parce que ça moi reste bah moi j'ai rare. consulté des solutions pour trouver les derniers sanctuaires parce que mine de rien quand il y en a 120 t'en es à quoi j'en ai trouvé combien 100 solutions j'en ai trouvé 110 je crois 100 112 enfin D'accord, ah, ça il y se en a voit 120. il me Je croyais restait qu'il y en avait 8. 100. Ok. Ah Non, non, mais il y en c'est a bien. 100, Non, désolé, ouais, je mais spoil. c'est pas un spoil, c'est bien. Mais Il y en a 100. ouais. Mais du coup, ouais, non, les vidéos, tu les trouves pas, quoi. C'est impossible à les trouver D'accord. dans toute la map. Non, mais tu vois, je te prends un exemple.
Il y avait un moment, tu vois, je suis tombé. En fait, pourquoi est-ce que je veux voir des solutions? C'est parce que des fois, je suis à un endroit, à un instant T, j'ai trouvé un truc et j'ai la flemme de me dire, bah, j'y retournerai. Ou je te donne un exemple, c'est à côté du village Cocorico. Tu as un socle, un moment. Et tu sais, quand tu vas chez Proua, il y a une bille, une boule qui va justement dans ce socle. Et justement, j'ai vu ce socle à côté du village Cocorico et je me dis, mais oh, il y a forcément un truc à faire. Je tourne pendant, allez, une demi-heure pour essayer de trouver une boule qui se trouverait quelque part gardée par un ennemi ou quoi que ce soit. Je trouve rien. Je fais, putain, allez, vas-y, je vais voir quelque chose. Et des fois, je me dis, mais putain, j'ai bien fait. Parce qu'en fait, avant de déclencher la recherche de cette boule, il fallait avoir fait deux autres missions avant. T'aurais cherché longtemps. Et donc du coup, oui, ça m'a permis déjà de trouver une mission que je n'avais pas faite parce qu'il fallait se rendre dans une habitation qui était un petit peu reculée par rapport au village Cocorico et que j'aurais pas eu idée de rentrer dedans, qui générait une mission. Et une fois cette mission faite, ça rendait le fait que tu avais des gens qui étaient plus ou moins suspects et qu'il fallait les suivre. Mais en même temps, il fallait savoir que c'était à 22h qu'il fallait suivre le garde du village Cocorico, qu'il fallait le suivre aussi sans se faire repérer. Et qu'une fois arrivé au bout, là, tu avais un méchant, une boule et tout. Oh là 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 là, j'ai dit, oh putain, ah, j'ai bien fait d'aller chercher. Tu vois? Mais tu sais que moi, cette boule, elle m'a rendu fou. Elle m'a Voilà. rendu fou. Parce que Tu comme toi, vois? je l'ai vu au début du jeu, je vois une boule. Puis tu sais, j'ai tout fait, hein. C'est-à-dire que j'ai questionné la fille, j'ai questionné la grand-mère. Je suis même allé là-haut la nuit, dans son journal intime. Je me suis dit, oh, peut-être qu'il y a des trucs là-dedans sur la boule. Hop, j'ai rien trouvé. C'est Et ça. c'est que plus tard, j'ai vu, et j'ai fait, ah ok, c'est comme ça. Et Ouais, enfin, j'étais alors, content, en fait. J'étais très je heureux. suis d'accord que quand tu trouves par toi-même, c'est hyper gratifiant, surtout dans ce genre de jeu. Il y a plein de choses, ça m'est arrivé comme ça. C'est ouais, en fait, c'est ça aussi qui est bon dans le jeu. C'est qu'il est gratifiant parce que c'est difficile, mais en même temps, tu peux quand même trouver par toi-même. Et quand tu trouves, t'es heureux. Mais par contre, il y a certains trucs, je culpabilise quand même pas d'aller voir parce que quand je vois le résultat, quand je vois ce qu'il fallait faire, comme là, je t'ai donné le parfait exemple, je me dis, ah ouais, quand même, non, ça va, je suis bien content d'avoir été voir. Si tu veux mon avis, moi aussi j'ai regardé pour un sanctuaire bien précis comment fallait faire. Ouais. Bonne chance, tu le fais sans la solution. D'accord. Non, mais J'en je dis pas pense plus, que. mais voilà. Non, clairement, t'as des trucs très complexes. Ça dépend Mais où il est situé. c'est Tu ça peux me aussi dire ce à que peu fait près le la zone? jeu. Si tu t'en rappelles. Ouais. Tu peux me dire la zone? Si c'est nord-est, C'est nord-ouest. proche. Alors, c'est plutôt au milieu, un peu à l'ouest, tu vois. Tu prends le centre de la map, c'est un peu à Bah, je l'ouest. suis pas allé à l'ouest. C'est là où tu as une sorte de terre de champignons géants. Bah, je suis pas du tout allé à l'ouest. Enfin, si tu sais, tu as le plateau où tu débutes. Et bah, tout ce qui est à l'ouest du plateau, tout ce qui est au nord du plateau, tout ce qui est au sud du plateau, je ne connais pas. Ouais, d'accord. Voilà, donc ça c'est clair. Bah, tu sais que moi, t'es à combien d'heures de jeu là? 90 heures pas loin. Ah ouais. Et oui, et j'ai fait que l'est et le nord-est. Voilà pour te Ah, c'est dire. impressionnant. Ah ouais, mais tu vois, je crois que tu fais vraiment le jeu comme il faut le faire, quoi. Ah Tu mais je le fais prends à fond. vraiment ton temps, Ah tu mais fais. je le Parce que prends à moi, fond à le temps. 50 heures de jeu, Oui. j'avais déjà quadrillé toute la map. Ouais, et ben non. C'est-à-dire que j'étais déjà allé partout. Et déjà, je me disais, mais dans quel autre jeu, en 50 heures de jeu, t'as juste découvert juste la map? Ah non, mais je te dis, c'est la Aucun? première fois que ça m'arrive. Je suis à 90 Aucun? heures de jeu. Quand je dis que j'ai pas découvert le quart de la map, c'est le cas. Et j'ai même pas eu la curiosité d'aller visiter les tours et tout. Ah non, non, là, je me gâcherais tout le jeu si j'allais faire les tours. Ah non, non. Moi, j'ai encore les trois quarts de la map qui est grisée. Je ne vois pas ce que c'est. Bah, c'est vrai que moi, du coup, pour le coup, j'avais cette curiosité. C'est-à-dire, à chaque fois que j'étais sur une tour, j'en voyais une au loin, je dis Ah non. ah, j'ai envie d'aller voir. Ah là, Et je du me coup, j'y gâche le vais, tac, jeu. tac, 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 tac. Ah ouais, ça te gâche le Ah jeu, ouais, ça. ça me gâche. Parce que je me dis, enfin, je vois déjà tout ce qu'il y a à découvrir. Alors que déjà, quand je vais en haut d'une tour et que ça me dévoile le bout de la map, déjà rien que toute la map, je me dis, oh putain, il y a tout ça à découvrir. Si jamais. Ah, ça te fait stresser, ça Non, te. non, Ça... alors, c'est pas que ça me fait. Au contraire, je suis content d'avoir tout Enfin. ça à découvrir. Mais si Ouais. jamais je vais en voir 3-4, je vais me dire, oh putain, il y a tout ça, alors que j'aurais pu. Tu vois, c'est comme déguster une part de gâteau, tu vois. C'est, tu vois, je les déguste petit à petit, tu vois. Et alors que là, bah, je me dis, oh tiens, j'aurais gâché. J'aurais pas apprécié chacune des parts, quoi. Bah, je comprends aussi, en fait, Mais c'est que j'aimais bien chacun a sa la méthode, mécanique. comme tu disais, chacun a sa manière de le faire. Ouais, j'aimais bien aller en haut des tours et, comme je te disais tout à l'heure, faire ma carte moi-même, c'est-à-dire placer centre d'intérêt, pof, placer mes étoiles et me dire, bon, bah, j'irai plus tard. Mais du coup, à la fin, ce qui est marrant, c'est que ma carte était remplie de bordel, d'étoiles, Ah non, de ça je le trucs fais à pas aller du tout, tu voir, vois. tac, 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 tu vois. C'est très rare que je place des trucs.
Les seuls repères que je place, c'est quand je vois un sanctuaire au loin, je fais oh putain, je l'ai pas placé, je l'ai Oh pas. putain, ouais, Donc comme ça, ouais. je le mets, mais c'est Je tout. le rappellerai pas. Ouais, d'accord. Ouais, Ouais, c'est tout. Non, c'est très rare. Ou alors, c'est quand je suis au sein même d'un petit bout de map et que je me dis, alors attends, ça, faut bien que je me souvienne d'aller y voir. Donc là, je me place un truc, mais c'est rare, c'est très rare. ouais. Bah, Voilà. surtout que enfin, tu sais jamais ce sur quoi tu vas tomber, quoi. Bon, pour ceux qui n'ont pas fait Zelda Breath of the Wild, je sais, vous devez vous emmerder. Ouais, On est tu désolé, mais veux. là, on partage vraiment notre bah, la passion qui nous transmet, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue. Oui. Et puis Ah même, si vous n'avez pas fait le Zelda et que vous nous entendez, alors bon, peut-être vous faites un peu spoiler, mais de là à ce que vous vous souvenez de tout ce qu'on est en train de dire le moment où vous allez vous y mettre, bon courage. Mais peut-être que justement, tout ce qu'on est en train de dire, ça vous donne envie de vous y mettre. Ah bah, j'espère vraiment que ça peut donner envie à des gens Carrément. de se lancer dans l'aventure, parce que c'est vraiment un jeu. Moi, enfin, moi c'est un jeu qui a un peu changé ma vision de jouer un jeu. Enfin, ça a un peu changé ma philosophie de jeu, en fait. Moi, il me l'a fait retrouver. Il me l'a Et fait retrouver ce jeu. ah ouais, tu vois, voilà. Et d'ailleurs, c'est bizarre, mais tout à l'heure, tu parlais de contempler la map, tout ça, la carte, le level design, tout ça. Et moi, j'avais totalement aussi cet aspect-là quand je jouais, à tel point que je prenais des screenshots avec la Switch, tac, et que j'ai 200 photos de screenshots que j'ai pris de Ça. Zelda. Et de temps à autre, ce Oh, que je j'ai m'amuse pas à faire, fait ça, merde. ce que je m'amuse à faire, c'est que, pof, je regarde justement cet album, et je revois toutes les photos que j'ai prises du jeu depuis le début. Et je revis l'aventure que j'ai vécue Ah avec un petit putain, côté j'aurais dû faire ça. nostalgique. J'aurais dû faire Et à ça. chaque fois, je me dis, ah, mais quelle aventure, quoi. Puis en même temps, c'est pas fini. Je suis déjà nostalgique d'un jeu que j'ai pas fini. Donc, ça m'a jamais fait Ça, ça, c'est vrai que quoi. c'est un truc que j'aurais dû faire, tu vois. Parce qu'il y Ouais. a vraiment des moments. Et puis ouais, tu revis plein de trucs. Tu revis des. Alors Tu bon, sais, tu vois une tu prends photo, des tu dis, photos ah, comme un con, ouais! mais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, tu revois des photos, tu dis, ah, ouais, c'est quand j'ai découvert ça. Après, j'étais allé faire ça. Mais Tu dis, ah, oui. ouais. Ah Et là là. bah, c'est comme ça que tu as des souvenirs, en fait, finalement, du jeu vidéo. Carrément. Ah non, c'est bon, Et pour. vraiment pour moi, Zelda, incontournable, Breath of the Wild. Ça, c'est sûr. Et pourtant, dis-toi que moi, j'ai joué à aucun autre Zelda. Ouais, mais c'est même pas nécessaire, vraiment. Non. Mais limite, Parce c'est même comme ça que. que je me le découvre avec le plus d'objectivité possible, si je Et puis puis c'est dire. très simple, la formule du jeu en lui-même, Il suffit à dans le lui-même. fond, on ressemble peut-être un peu aux anciens Zelda, mais dans la forme, pas du tout. Et d'ailleurs, ce que j'avais vu, c'est que finalement, le Zelda auquel il ressemble le plus, c'est le tout premier qui était sorti sur NES, je crois, Ah où oui, en bah fait, c'est et bah bah, c'est le tu seul que j'ai fait. commences sur le map. Et... Ah bah voilà, bon bah voilà. Ouais, T'as peut-être pu dégager quelques similitudes entre les deux jeux. bah la seule similitude que je vois, c'est que ben tu pars un peu tout seul à l'aventure, Bah c'est pas à mal. l'endroit où tu veux, et Ouais. tu t'améliores avec ton stuff, enfin comme tu peux, avec ce que tu découvres. Donc ouais, si, t'as raison, il y a une similitude en fait. Maintenant que tu le Ouais, ils dis, sont très c'est ressemblants, ils ça, sont très hein. ressemblants. Parce que Ils ont la même tu pouvais approche. partir où tu voulais, tu pouvais faire ce que tu voulais. Bah, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que à l'époque, enfin, après, j'étais pas là, hein, mais j'ai l'impression que les jeux faisaient confiance aux joueurs. Ils se disaient, bon, bah, ils sont pas cons, ils vont penser à faire Ah ça, bah ils vont alors penser à aller là. voir là. Ah bah alors là, mon gars, Maintenant, c'est plus là. du tout le cas, on est Non, non, pris non, par non, la mais main. là, ce que tu viens de dire, là, c'est le gros. C'est le gros. C'est le gros bâton dans les roues en fait qu'ont les jeux aujourd'hui. Enfin, c'est le plus gros défaut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ouais. on te prend trop par la main, on te fait pas assez confiance, on te mâche Mmh. tout le travail. Et c'est mort. Et c'est là où, ouais, en fait, maintenant que tu le dis dans le Zelda, c'est tellement bien parce qu'on te fait confiance. Ouais, mais c'est très rare parce que bah, si tu prends pas les gens par la main, forcément, bah, c'est un jeu qui plaira pas à tout le monde, qui sera pas forcément accessible à tout le monde. Enfin, si tu veux viser le public le plus large possible et faire le plus de ventes possible, bah, tu fais un jeu où tout le monde peut y jouer, en fait, finalement. Oui, mais regarde Parce Breath of que, the Wild, il le fait super bien. bah, Il fait les justement, et c'est deux. pour ça, exactement, il réussit le pari. C'est pour ça que je pense qu'il faut totalement encourager ce genre Bah oui. d'initiative. Parce que moi, un jeu Plus. actuel qui serait beaucoup trop dur à comprendre et à poursuivre, ça. Non, ça, j'ai plus trop envie de trop réfléchir dans un jeu. Et c'est là où Zelda, il fait les deux à merveille. Pour en Il y a du revenir niveau. rapidement sur Red Dead 2, tu vois, pour le peu de let's play que j'ai vu, de gens jouer et tout ça, eh ben. Déjà, le moment où le gars il se retrouve enfin libre après le gros tuto, eh ben, Ouais. je commence à voir un petit peu ben, où il veut nous emmener et tout ça. Et moi qui voulais me prendre RDR2 à la base, eh ben, maintenant je suis certain que passer les premières heures de découverte et de waouh,
Eh ben, ça y est. Je sais qu'avec toutes les quêtes, tous les trucs, toutes les choses qui te... En fait, parce que tu as déjà pratiquement accès à tout, tu sais déjà tout ce qui t'attend, et tu te dis, oh putain, alors il va falloir que j'améliore ça pour faire ça. Et puis aussi, oh mais, le tuto, et tout ce qui t'apprend, ça foisonne en haut à gauche, en bas de l'écran et tout, t'as même pas le temps de tout suivre, et t'as tellement d'informations que t'es déjà fatigué avant d'avoir commencé. Là où dans Zelda, tu découvres tout petit à Bah, je petit. dis, tu te C'est ça. Et même, tu découvres tout Tu petit as à ton petit. rythme. Et donc, en fait, eh ben, même là, je me serais déjà retrouvé perdu. J'ai dit, allez, vas-y, c'est bon. Et donc, à l'heure actuelle, malgré le... Allez, j'ai vu 3-4 heures de jeu. Eh ben, je sais que j'aurais regretté l'achat. Bah, Et que j'ai moi bien je fait de pas pense, le parce que prendre. Red Dead Redemption, c'est l'antithèse de Zelda Breath of the Wild, si tu veux. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, je pense. Ça dépend juste de ce qu'on cherche. Pour moi, Red Dead Redemption aurait gagné à être plus court, plus intense, et pas dans le format de l'open world, c'est-à-dire un jeu en couloir, mais peut-être avec un plus gros travail sur la mise en scène, mais qui est déjà très bonne, mais un plus gros travail sur la mise en scène, un peu comme les Uncharted, un meilleur travail sur le gameplay quand un peu quelque chose, je sais pas, d'un peu plus nerveux, où t'as des où les par exemple, c'est bête, mais le système de couverture, il est totalement chiadé. Ouais. Voilà, retravailler ce genre de choses plutôt que de nous faire faire des kilomètres à cheval entre juste pour faire un point A, un point B sans avoir aucune surprise sur le chemin. Alors parfois, t'as des petits trucs qui se passent sur le côté, t'as des petites interactions. Mais bon, Mais au c'est début, t'es tout. émerveillé, mais tu comprends très La rapidement, au bout de mécanique qui est quoi, une derrière. vingtaine d'heures de jeu, que c'est scripté et que finalement, trois fois, j'ai dû sauver un mec parce qu'il s'était fait mordre par un serpent. Psst, Bon, d'accord. à la fin, ça marche plus, quoi. Oui, Tu alors vois, que... la première fois, tu dis, oh, pas mal. Mais après, tu dis, ah, ok, déçu, tu vois, t'es limite déçu. Ouais, alors que là Par où tu contre, te balades dans Zelda, tu sais très bien que tu vas passer à côté d'un truc qui va te dire, attends, qu'est-ce qu'il y a voilà. là-bas? Je vais aller voir. Et puis c'est le jeu qui va te surprendre de lui-même ou pas. Puis C'est ça ou bien, d'ailleurs, oui, c'est le ou pas en fait. Parce que des moments où tu y vas, tu dis, ah, est-ce qu'il y a quelque chose? Et oui, parfois, il y a rien. exactement. Mais c'est le fait que des fois, il y a rien qu'en fait, c'est bien. Oui, C'est parce qu'il peut exactement. y avoir quelque chose, mais il peut aussi ne pas y avoir quelque chose. Donc Voilà, t'es c'est là à te ça. dire, t'es pas là à te dire comme dans tous les jeux, à te dire, bon bah je vais aller là parce que je sais qu'il va y avoir ça. Alors que là, non, Voilà, tu sais voilà. pas. Et des fois, tu Bah. montes en haut d'une montagne, tu fais, allez, il va y avoir une petite pierre à soulever, il va y avoir un corgo, et ah Ouais. bah non, il y a rien, mais merde, mais j'avais Derrière. juré. Ouais. Ah ouais, Et donc en là fait, t'as tu les fais l'impression. toutes, Le et truc. c'est génial. Ouais. Parce que dans la plupart des jeux, quand tu vas à un endroit, tu sais qu'il y a un Oui. truc et tu sais ce que tu vas y trouver. Là, tu sais pas s'il y a un truc, tu sais Ah pas ce que ouais. tu vas y trouver. Ah, c'est T'as trop les fort. deux. Ah, c'est trop fort. Tu vois, on Et. découvre encore des trucs, tu vois, sur le jeu, là. C'est génial. Ouais. Mais en fait, je suis content de pouvoir mettre des mots un peu sur ce qui me plaît dans le jeu, Moi parce que pendant aussi. très longtemps, j'ai joué, je dis, mais je sais pas ce qui me plaît, mais j'adore, tu vois, je continue. Et Ouais, mais moi aussi, quand ça me tu peux plaît. prendre un Mais peu de moi, ça me recul. fait kiffer d'en parler avec toi. Parce que justement, on met des mots sur notre expérience. Ouais. Notre expérience qui est... Enfin, c'est pas palpable, alors que là, on arrive un peu mieux à toucher ce qu'on aime. Et Tu vois, c'est là cool. où le jeu, à mon avis, peut faire des progrès, c'est justement en prenant exemple sur Red Dead Redemption 2 pour un aspect. C'est-à-dire, autant dans son moteur physique, Zelda, il est incroyable. Tu peux faire des choses de folie. Oui. Tu peux, mais vraiment, j'ai vu des gens qui font des trucs sur Internet avec les éléments, mais jamais j'y aurais pensé. Mais c'est possible. Donc, je te dis rien pour que tu aies le coup de toi-même, mais sache que tu as une grande possibilité, tu as déjà dû, d'ailleurs, je pense, l'expérimenter. Mais par exemple, je trouve que dans Red Dead Redemption, c'est les relations que tu peux avoir avec les PNJ qui est très intéressante. C'est-à-dire que quand un PNJ te parle, tu peux le menacer, le provoquer, tu Oui, peux j'ai vu le ça, ouais. saluer. Et en fait, ça rend le truc tangible, tu vois. Oui. Alors dans Zelda, tu n'as pas cette approche-là, tu as moins de liberté. Oh, ça, Zelda, c'est la liberté du gameplay avec un grand L, tu vois. Par contre, en termes d'interaction entre les gens, tout ça, là, T'as c'est raison. plus guidé, tu J'ai vois. eu peur que... Mais. J'ai vraiment eu peur que tu me dises que Zelda pourrait apprendre de Red Dead 2 par rapport à son moteur physique Ah non, oh non, et non. par rapport à la réalité, tout ça. Et j'allais dire, mais attends, mais si tu rends le Zelda plus réel, tu vas le rendre plus lourd et tu vas le rendre Non, non, moins non. malléable qu'il l'est aujourd'hui, et ça va casser quelque chose. Alors que non, non, Non. non, 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 très bien ce que tu as dit. Les Ah, interactions, surtout que c'est en cool. soi, je trouve le fait de prendre un moteur, comment dire, une esthétique. Je trouve que l'esthétique un peu cartoon est très juste Oui. parce que si tu fais le même jeu mais avec des graphismes ultra réalistes. Ça va Ça aurait pas. créé une dissonance entre le gameplay et ce qu'il y a, tu vois, ça marcherait pas.
Tu vois, il y aura une dissonance entre ce que tu vois et ce que tu peux faire. Enfin, voilà. Oui, et puis tous ceux qui disent que dans le prochain Zelda, s'ils veulent améliorer, alors dans ce cas, le seul axe d'amélioration, c'est de rendre les graphismes et le tout plus réaliste, je suis pas d'accord. Non. Pour moi, ce serait plus les relations que tu peux avoir avec les Carrément, PNJ. oui. Avec les... Et d'ailleurs, ça, d'ailleurs, c'est une chose que Assassin's Creed Odyssey, le dernier, fait très très bien. C'est que tu as un réel impact sur l'open world et comment dire, et les habitudes des gens. C'est-à-dire que dans Odyssey, donc t'as... Oula, attends, en plus, il n'y a plus de batterie. Attends, je vais le brancher vite fait. Vas-y. C'est-à-dire, attends, je peux parler en même temps. C'est-à-dire que dans Assassin's Creed Odyssey, tu as deux factions qui se foutent sur la gueule. Les Spartiates, oui, les Spartiates et les Athéniens. Et tu peux choisir en fonction des régions de prendre plus parti pour l'une des factions ou l'autre. Et en fonction de ça, tu as les habitudes des gens qui vont changer. Et je te prends un exemple tout bête, mais dans une quête secondaire, tu avais une famille qui allait se faire tuer parce qu'ils avaient la peste. Et les gardes voulaient la tuer. Bon, moi, je les ai sauvés. Tu sais, je me dis, bon, c'est une quête annexe, on va les sauver, on va pas être un. Et bah, Lille a attrapé la peste à cause de mes actes. Plus tard, je suis revenu dans le jeu, Lille avait la peste parce que j'avais fait un Sérieux? choix de merde. Et ça a un impact, c'est hyper tangible. Et. C'est ça que je trouve incroyable dans Assassin's Creed Odyssey. Ça, c'est vraiment un point sur lequel le jeu excelle. Et D'accord. Zelda pourrait, je pense, gratter un peu de ce côté-là, Ah bah ouais. l'impact que tes décisions ont, que tes choix ont dans le monde, en fait, tout simplement. Oui, de rendre Voilà. le truc encore plus vivant, en fait, et encore plus malléable. Pas Exactement. aussi fixe qu'il l'est. Et Ouais. oui, non, mais c'est sûr, c'est Parce que sûr. tu vois, c'est tout bête, mais par exemple, dans Red Dead Redemption, si tu bouscules un gars. Bah, il va réagir, il va dire bah, qu'est-ce que tu fais? Genre, il va venir te voir, il va venir te pousser, limite une baston peut s'enclencher. Même juste si tu le menaces en passant, ça peut très vite mal tourner, tu vois. Dans Zelda, par exemple, je sais pas si t'as peut-être déjà essayé, genre donner un coup à quelqu'un, bah, Il il a réagit pas, il peur. fait juste aïe, puis il reprend son tac-tac-tac. C'est Ça manque ça. de tangibilité, je dirais, cet aspect-là. Ouais, c'est Les vrai, t'as relations raison. entre les. Bah écoute, oui, c'est. Ils peuvent Voilà, s'améliorer là-dessus. faut gratter hein, pour trouver les mauvais points à ce jeu. Ah oui. Mais le jeu apporte tellement que. Mais du coup, ça me rassure finalement, parce que je me dis, bah, le jeu peut. On peut faire encore mieux. Enfin, Nintendo peut encore nous surprendre. Ah mais Nous... toujours, toujours. Et c'est pour Toujours. ça. Puis de toute façon, ils feront. Ça se trouve, ils partiront dans une totale autre direction, parce que ça, ils savent faire aussi. Hein. Ah Faire un mais, jeu, puis les jeux d'après, pouf, rien à tu voir. sais que c'est ce que je Et c'est pense? pourtant tout aussi bien. Tu sais Bah, que c'est ce que je pense, hein. À mon avis, c'est ce ça. serait pas plus mal, finalement, que Breath of the Wild reste Breath of the Wild, le seul, l'unique, tu vois, Oui. le jeu culte, et puis qu'après, être un autre jeu, avec une autre formule, une autre proposition, une autre vision, arrive et paf, soit lui aussi un chef-d'œuvre. Mais C'est oui. ce qu'ils avaient fait entre Ocarina of Time et Wind Waker. Donc, Wind Waker, c'est un jeu qui est. Oui, Ocarina c'est of Time, plus il, si vous, il de. était très réaliste, et Wind Waker, il est très cel-shading. Beaucoup de gens avaient gueulé à l'époque, mais au final, D'accord. c'est un des meilleurs pour les fans maintenant. Donc, Ah ouais. Ouais, mais bah, la formule, je ça sais pas. marche. Après, je vais te prendre un autre exemple qui est tout court. Alors, je sais pas si tu as fait. Les Pokémon, tu les as fait? Non, j'ai joué aucun jeu Bon, Pokémon. alors, j'en parle très rapidement. C'est que dans les Pokémon, souvent, tu as des mécaniques de gameplay, d'inventaire, des idées qui sont hyper novatrices, qui sont hyper utiles au gameplay. Et tu te dis, mais c'est un peu comme à la Mario, tu vois. Où tu te dis, mais ça. Bah, je veux dire, dans le prochain, ils sont obligés de leur mettre. Et ben non, ils te leur mettent pas forcément. Et ils trouvent d'autres trucs, des nouvelles choses. Et c'est là où tu fais, bah putain, ouais, bon, d'accord, mais c'est bien. Et donc, du coup, les mécaniques d'un jeu restent dans ce jeu-là. Un peu comme tu disais, Ouais, Breath of the Wild ah restera ouais, Breath of the Wild. d'accord. Les jeux deviennent caractéristiques, quoi. C'est ça. Genre, ah, celui-là, c'est celui que tu fais ça. Et c'est bien, Exact. ça permet à la licence de vivre, en fait, de s'épanouir, Oui, et puis de se d'emprunter renouveler. plusieurs chemins. Exactement, se Et de renouveler. ne pas Parce se traîner que. des boulets aussi. Parce que c'est aussi le risque. Si jamais tu te sens obligé à chaque fois de reprendre les anciennes mécaniques, tu peux en pâtir après. Parce que ça peut devenir tes boulets. Parce que tu te les traînes. Ouais, et puis après, les fans, si tu changes, si un jour tu oses Ouais. changer. Et voilà, ils vont gueuler, et là, ça va plus. Ouais, Mais c'est là où, dès le début, ouais. ils ont été forts, Nintendo. C'est que pour chacune de leurs licences, ils ont toujours su se renouveler. Ah, c'est clair. Ah, mais en termes de créativité, je pense que Nintendo, c'est, ça restera les kings. Alors moi j'ai jamais été Nintendo au départ, parce que faut Ouais. savoir que bah au départ en 91 c'était la, enfin, je dis 91 mais même les années qui ont suivi, voilà, parce que moi j'ai touché à mon premier Sonic quand j'avais 2 ans et demi, c'est-à-dire milieu de l'année 93. C'était la fameuse époque de la guerre entre Sega et Nintendo.
Et quand tu Ah, as l'âge d'or. grandi avec un hérisson bleu, et ben forcément tu détestes un petit peu Nintendo ou tu le boudes, tu vois, tu vas pas Il sur ces jeux. y a des restes. Voilà. Et donc du coup, et ben ce qui fait que ben, jusqu'à la GameCube, je n'ai jamais touché à du Nintendo. Donc finalement, GameCube, c'était quoi? C'est 2002? Je crois que c'est ça, ouais. Donc bon, t'étais encore... t'étais... Non, t'étais plus ado qu'enfant, donc ça a pas fait partie de ton enfance, en fait, 2002, donc j'avais GameCube. 11 ans. Ouais, 11 ans, tu commences à être ado, Oui, non? ouais, plus ou moins. Bon. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en Mais... fait, la GameCube a très vite été éclipsée par la PlayStation 2. Ah ouais? Ah Ah, c'est bah pas ça, je oui. savais pas. Si, Ah si. d'accord. Bah, Parce que quand... en c'est vrai fait, que quand je regarde... la PlayStation 1 a éclipsé la Dreamcast de Sega. Donc, ils ont tué Sega. Mais je leur en veux pas, tu vois. Ouais, Je clairement. suis pas pro-Sony, mais je suis à fond sur Ouais, Sony, t'as moi, dans le jeu. basculé. Ouais, t'as Ouais. basculé. Ah, et je crois que, alors je sais plus au niveau des époques comment ça se passe, mais je crois que justement la GameCube s'est fait détrôner par la PS2 après. Ouais, bah, c'est clair que la PS2, c'était un succès incroyable. C'est le plus gros succès, donc voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est le plus gros succès. Enfin, je crois, non, après, bah non, après t'as la Wii, je crois que c'est la Wii le plus gros succès. Ah ouais, je sais plus, Mais ouais. c'est à partir de Mais... là où, pour moi, à partir de la Wii, je crois, ouais, c'est ça, à partir de la Wii, les consoles Nintendo sont devenues des consoles annexes à avoir à côté des principales. Ouais. Et je pense que ils ont eu le nez long. Je pense qu'ils ont eu le nez long parce qu'au lieu de concurrencer Oui. et d'aller dans l'arène, si tu Carrément. veux, en mode gladiateur, entre Sony, Xbox et Nintendo, à proposer la même chose, c'est-à-dire une console avec des faits pour avoir des beaux graphismes, avec C'est une ça. tac, une mise en scène, machin, qui cherche la performance, eux ils se sont dit, bah, nous, on va aller ailleurs, on va proposer notre vision, et du coup ils se rendent indispensables en quelque sorte. Mais Là c'est où, bah, ça. finalement, Xbox enfin, en soi, Xbox, PlayStation, c'est la même chose. Oui, Mais oui, là oui. où Sony a été bon, c'est que eux, ils ont Les brillé par exclus. leurs exclusivités, Ouais. voilà. Ils ont un catalogue vraiment très impressionnant Ah, et d'exclusivités. c'est grâce à leur passé aussi, hein, tu Donc, sais, ils ont un plus gros passé que Xbox, hein, c'est. Ah, c'est sûr. Donc ils ont des plus grosses licences, ils peuvent en faire revenir au goût du Ah, mais jour. même encore aujourd'hui, les nouvelles IP Oui. Sony défoncent les IP, les nouvelles IP Xbox, par Oui, exemple. Alors, c'est sous les pour trucs comme preuve, quoi. ça fait hyper longtemps que j'attends un truc qui a été annoncé comme ça en coup de vent, mais qui moi a retenu mon attention, mais personne n'en parle, on n'a pas de news ou quoi que ce soit, c'est Biomutant. Tu vois? Ça fait des années, maintenant je peux le dire, je crois, ça fait des années que j'en parle. Et Ouais. en fait, j'attends des news de ce jeu. Je sais pas pourquoi il m'attire, parce que j'ai l'impression que c'est un Ratchet & Clank réaliste, mélangé à du Ah, Horizon je Zero Dawn. vois. Je me rappelle. Je vois. J'avais vu un trailer où c'était une sorte de Oui, renard c'est un qui se bat Horizon dans les Zero champs. Dawn, Ratchet & Clank Ouais. réaliste. Mais tout le monde veut jouer à ça. J'ai envie Voilà. de jouer à ça. Mais oui. Et donc du coup, bah, j'ai juste vu les graphismes, j'ai dit, oh putain, on dirait, parce qu'en fait, ça me rappelle mon enfance. Ça me rappelle Ouais, une c'est ça. créature de ton enfance, mais qui est en mode HD, monde réaliste et tout. C'est le rêve. Tu fais, mais putain, mais Ouais, oui. modernisé. Mais oui, mais je veux ça. Je Plutôt que veux ça. d'avoir un mec ou une meuf réaliste qui se balade dans un monde réaliste, ça fait trop réel. Alors que là, t'as une bête qui est non réaliste, mais qui se balade dans un monde qui est vraiment en mode HD, ultra HD et tout. Je fais, ouais, mais ouais, je veux. Je veux. Et en Ben, plus. je vais me renseigner un peu pour en savoir plus sur ça, parce que c'est vrai que ça Mais peut être t'en sauras intéressant. pas beaucoup, hein, mon pauvre, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose, hein, dessus. Ah Je ouais, peux c'est te un dire. peu... Moi, Ouais. je suis le truc de loin et je peux te dire que ouais, y a pas grand-chose. Mais bref, pour en revenir justement ouais, à Nintendo, et justement, ouais, moi, j'avoue que j'étais naïf et con avant parce que je prenais part à cette guerre. Le moment où justement, tu avais PS3, Xbox 360 et je voyais Nintendo avec les graphismes qu'ils avaient et tout, je me disais, mais pfff. Mais Nintendo, ils sont à la ramasse, ils sont nuls. T'as vu les graphismes qu'ils ont, ils ont pas la Ouais. puissance nécessaire, ils sont mauvais. Mais c'est là où en fait ils avaient un coup d'avance, mais où ils ont bien fait de rester sur leur lignée. C'est qu'en fait, il y a que maintenant, grâce à la Switch, que je m'en rends compte, c'est que le plus important, c'est pas forcément les graphismes, c'est l'expérience de jeu. Et maintenant, et ben tu vois, tout doucement, et ben je bascule dans le monde de Nintendo. Ouais, Et pour c'est-à-dire ça, ton il m'aura fallu 27 ans. C'est pour con à dire, l'accepter, mais c'est ça. Mais mais après, je c'est marrant, déteste c'est que pas Sony. c'est. Il y a toujours des jeux, tu vois, bah, comme Biomutant ou des exclus ou des jeux très réalistes que j'aurais envie de faire. Mais eh bah, le résultat est sans appel. Aujourd'hui, je passe 98% de mon temps chez Nintendo. Et maintenant, Ouais. j'ai délaissé la PS4, elle prend la poussière.
C'est intéressant de voir que ton parcours de joueur a drastiquement changé entre tes débuts Ah mais ouais, et actuellement. mais il m'intéresse aussi mon parcours. Ça fait Sega, PlayStation, Nintendo en parallèle et maintenant je bascule Nintendo. Parce que Parce que t'avais Nintendo évoqué. m'offre ce que j'ai perdu. Ouais, c'est ça. Ça devient trop réaliste aujourd'hui. Et du Parce coup, que tu ça me avais évoqué pénalise. Horizon Zero Dawn tout à Oui. l'heure, que je me rappelle, tu avais joué. Oui. Et je suis curieux, c'est que tu l'avais fini ce jeu, tu l'as. Je l'ai fini, mais il m'a fait chier. Voilà. Ouais, voilà. Voilà, je me suis fait Ouais, chier. moi J'ai aussi. eu la découverte du début. Voilà, ouais, trop bien, trop bien. Et après, quête annexe, c'est tout toujours Mais pareil, tout tu sais, bourré, moi, où ça je me me fait suis arrêté chier. dans le jeu? Non. J'ai même pas fait tu sais, l'épreuve pour laquelle elle se prépare. Ah ouais, d'accord. J'ai même pas atteint ce point-là, je m'ennuyais, rien ne m'intéressait dans le jeu. Ah merde, Et c'est c'est triste. triste, parce que c'était joli, Ouais, mais c'est triste. après, encore une fois, j'y ai joué après Breath of the Wild. Et ça n'a pas dû Oh, aider. ouh là là, ouf. Ça... Ouf. Bah oui, bêtement, déjà, Oh merde. on n'en a pas parlé du tout d'ailleurs de ça, mais le paravoile, Oui. c'est superbe comme mécanique Ouais. pour pouvoir se déplacer librement où tu veux. L'escalade qui te permet d'aller où tu veux. Ah ouais. Là, dans Horizon, j'ai l'impression d'être dans une succession de couloirs, mais en open world, tu vois. J'ai oh, Oui. la montagne là. Ah bah non, on ne peut pas monter. Eh oui. Bon, bah, Ah non, je mais devais non, mais. descendre. Ah non, là, Oh, mais là, il tu t'es faut. planté 3, 4, 5, 6 pieds dans le pied, là, avec, Ah en ayant fait Zelda avant. ouais. Oh Donc, c'est pour ça. putain. Mais. D'ailleurs, tiens, en parlant du paravoil, tout ça, mais des habits, enfin, d'escalader, les habits que tu Ouais. portais le plus dans Zelda, c'était lesquels? J'ai tellement porté. Pour le style, j'aimais beaucoup une armure. J'avais Ouais. une armure de chevalier, une sorte d'armure de D'accord. chevalier. Après, Ah non, mais le truc c'est pas mal d'escalade, alors, ouais. j'aimais bien le mettre en mode relax Link. Tu sais, Oui, le truc bah. d'escalade et tout, Mais il y a non, le mais c'est t-shirt qui est lui en. que j'ai tout le temps sur le dos. C'est que le Ah truc bah, bah d'escalade. voilà. Ouais, Pour, j'aimais pour, pourquoi? bien. Parce que, en fait, je passe mon temps à escalader. Ah oui. Donc, ça me va bien, moi, d'aller plus vite et de pas me faire chier. Voilà. Ah, c'est clair. C'est clair, Ok, c'est clair. non, je voulais juste basculer sur ça. Mais c'est vrai que, oui, par rapport à. Tu parlais de mon parcours, ouais. Ouais, Ouais. bah. Écoute, c'est ça. Après, Non, j'ai mais. essayé un petit peu Microsoft en même temps que la PS3 avec la 360. Et puis, arrivé à la nouvelle. Déjà, quand j'ai vu que la plupart des jeux 360 sortaient sur PS3 et inversement, je me suis dit, putain, mais quel intérêt que j'ai les deux. Que quand Ah, la t'as prochaine raison, t'as raison. génération est sortie avec la One et la PS4, j'ai dit, bah, je fais un choix. Et pour moi, le choix, il est vite vu. PS4. Et puis, j'ai aucun intérêt. Et puis, même aujourd'hui, j'aurais une One. Oh, mais je me demanderais à quel jeu je jouerais. Et tu sais quoi? Tu sais quoi? Je me demande même Tu vas aujourd'hui, peut-être ceux qui plus. ont une One, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais vraiment? Ah, Enfin, bah, si, ils jouent aux jeux qui sont communs, ils jouent à Rocket League, ils jouent à. mais quitte à choisir entre une PS4 et une One, mais pour moi, le choix est tellement sans appel, est tellement évident. Je me Bah demande ouais. quel exclu il y a. Allez, allez, je vais. Tu me demandes de citer des exclus qui pourraient m'intéresser sur la One. Il y a peut-être Ori. Mais bon, c'est un petit jeu indépendant. Si, il y a un seul jeu qui avait failli me faire basculer, mais très vite, c'est retombé, c'est Quantum Break, qui a été fait Ouais. par les créateurs de Alan Wake, et donc forcément j'étais Ouais, c'est un nostalgique, peu loupé. mais c'est vrai que s'ils avaient sorti un Alan Wake exclu, là, j'aurais peut-être grincé des dents en me disant, merde, Xbox. fais Bah, chier. en parlant d'Alan Wake et de ses créateurs, tu Oui. as peut-être suivi, mais Oui. leur prochain jeu sort, enfin a été annoncé, il sort d'ici 2019, je crois. Oui, mais c'est quoi? Ce sera quoi? Ça, alors ça a l'air super cool. Je sais plus comment ça s'appelle. C'était montré à l'E3. Oui, mais bon, c'est pas Alan Wake 2. Non, c'est pas Alan Wake 2, mais ça a l'air vraiment pas mal. C'est pas Cyberpunk. Ah non, c'est pas ça. Non, Non. c'est des Ah non, Project non, Red. non, non, oui. Si c'est des Alors Project d'ailleurs, Red. ce jeu va peut-être remettre un nouveau level dans l'open world, peut-être. Peut-être, ouais. Mais j'en doute, j'en doute. Mais non, ben bah, voilà, Zelda Master Race. Ouais, je crois qu'on a tout dit hein, sur Zelda. Ouais, On a bah on séché. lui a fait Bon, une après, déclaration d'amour. avant le podcast, tu m'avais dit que tu voulais faire le parallèle sur plein d'autres choses. Alors, je sais pas si ça t'a permis de le faire ou si tu as encore plein de trucs en réserve. Auquel cas, Bah en gros, je si. peux les. Ouais. Ben, j'allais dire, si tu as encore plein de choses, moi, je te conseillerais qu'on le réserve pour un autre podcast parce que là, ça fait déjà 1 heure et demie, tu vois. Et pour moi, ça me paraît Oh, déjà bien game. assez long. Oui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est Et vrai. puis je commence à avoir Bon, on. faim, je t'avoue. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Mais non, je suis bien, je suis content. Enfin, je suis content de voir. Enfin, c'est bête, mais
Quand il y a un jeu qu'elle t'a joué que tu aimes beaucoup énormément et qui t'a marqué, et puis t'en parles à quelqu'un qui l'a tout autant apprécié, bah c'est très Ça plaisant. fait plaisir. Ouais, non mais carrément. Et puis Ouais. moi, je suis en train de le faire et ça peut que me relancer dessus. Enfin, ça peut que me faire d'autant plus Ouais. apprécier ce que Et j'ai du coup, peut-être que fait. là, quand il jouera, tu diras, ah ouais, c'est vrai. Genre, ça, c'est. Oui, ah Genre, bah oui, vu qu'on carrément. a évoqué plein de choses, on s'est rendu compte de plein de choses. C'était assez plaisant. Après oui, tu peux me citer rapidement ce que tu voulais parler, et puis moi je peux en juger par rapport au développement que ça prendra, si on le Non, développe ou mais. pas, mais. Non, moi, c'est tout simple. C'est juste dans l'intérêt de. C'est ça. C'est dans l'intérêt de se balader dans l'open world. C'est-à-dire d'aller au-devant des choses, de faire des découvertes. Dans Red Dead Redemption, ça n'a aucun impact sur toi. Là où dans Zelda, tu peux trouver une nouvelle arme avec de meilleurs stats, dans Red Dead, ce sera juste un flingue de plus qui ne te sert à rien, ou une tenue de plus qui ne te sert à rien. Alors que dans Zelda, ça te permet de faire un truc mieux. Enfin, ça a une utilité. C'est pas laissé au hasard, Non quoi mais que tu fasses. je crois qu'en fait tu résumes tout en ce Donc. mot, en fait, C'est l'intérêt. juste ça, il n'y a rien à faire. La chasse dans Red Dead, ça te permet quoi? Ça te permet d'avoir de l'argent, de revendre la peau. Mais l'argent te sert à quoi? Bah, à rien. Donc, pourquoi chasser? Ah, dans Zelda, ça te sert à te faire tes plats, mais ça, c'est primordial. Voilà. En fait, Et puis c'est que des trucs comme Zelda ça, donne tu. une utilité à tout. Oui, et puis en plus dans Zelda, c'est pas parce que tu les obtiens que tu les as à vie. Tes plats, tu les as cuisinés, une fois que tu les as bouffés, c'est mort. Tes armes, une fois que Oui. tu les as eues, tu les as utilisées, que c'est cassé, c'est mort. Tu n'as plus qu'à en retrouver. Et tu peux pas te les fabriquer, tu dois les trouver. Enfin, voilà, en plus, ça se renouvelle à chaque Non, fois. Et quand tu as un truc, tu sais que tu l'auras pas indéfiniment. Donc, ouais. Non, mais je crois Et que. Alors, on dit tout, le joueur c'est doit prendre des l'intérêt. décisions du coup, donc ça te comment dire, ça t'impacte beaucoup plus du coup. Oui. Des fois, quand tu perds une arme, tu te dis, oh, merde, putain, C'est ça. celle-là, je l'avais bien quoi. Et puis tu dois faire des choix. Des moments, Mais. t'as tout plein d'armes qui te plaisent. Et ah bah merde, tu trouves une nouvelle arme, elle est bien. Laquelle je laisse? Oui. Attends, c'est ça aussi. Ouais. Eh oui. Ouais, c'est vrai, c'est très Non mais je crois juste. que t'as tout dit quand tu parles d'intérêt. Parce que en fait, principalement c'est ça. Même ce que je disais au tout début du podcast, comme quoi, voilà, moi avant j'aimais bien les jeux parce que pour moi ils avaient un intérêt dans le fait que bah tu parcourais le jeu, t'étais entrecoupé par une cinématique qui faisait avancer l'histoire, et puis t'étais pas happé par plein de quêtes annexes et tout ça, et puis du coup t'avais un intérêt d'aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, le modèle économique des jeux qui fait que on ne cherche plus à t'amener au bout du jeu, mais à te faire rester sur le jeu le plus longtemps possible jusqu'à ce que tu t'en lasses. Bah rien que cette politique de jeu-là, elle m'emmerde. Et le problème, c'est que les gros jeux actuels, les AAA, reprennent des mécaniques qui sont présentes dans les jeux mobiles. T'as qu'à voir, je suppose, Star Wars Battlefront ou d'autres jeux comme ça qui te permettent de débloquer des petits machins moyennant finance ou moyennant un farm de fou, qui fait que du coup, tu passes beaucoup de temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que les jeux en ligne ont du succès, mais c'est aussi pour ça que pour moi, les jeux en ligne ne me plaisent pas. C'est parce que du coup, les jeux en ligne, je ne retrouve pas ce qui me plaisait avant. Et ben, en fait, tu passes du temps sur le jeu et le seul moment où tu arrêtes, ben, c'est quand tu t'en lasses. Alors après, il y a un jeu qui est comme ça et que j'ai pu quand même jouer très longtemps, c'est Rocket League. Parce que lui, Ah oui. dès le début, j'ai su que j'allais l'aimer. Rien que par son visuel et par son gameplay. Et son gameplay est tellement énorme. Ah, il est tellement Et grisant. puis il est fait pour ça aussi, j'ai envie de dire. T'as pas d'aventure principale, t'as pas de. Et limite, t'en as pas besoin. Donc c'est un jeu qui se veut multi et qui reste multi. Comme on en avait déjà parlé, c'était quand on jouait à Rocket League, c'est que Rocket League, c'est la facilité. Tu lances le jeu, pouf, tout de suite, t'as de l'amusement. T'as pas à chercher des trucs à la con, machin. Tout de suite, pof, tu lances, Ouais, t'as ta partie, t'es concentré, t'as un et objectif. puis je l'ai eu Voilà, gratuit, ça dure donc 5 bon, minutes. j'ai rien à Exactement. demander du jeu. Ouais, puis voilà. Largement, enfin, même pour 20 euros, je crois que tous les deux, on l'aurait largement. C'est sûr. Bon, allez, pour moi, il m'a coûté 4-5 euros parce que j'ai acheté Ah la DeLorean, oui, parce que ça, je pouvais pas passer à côté en étant fan de Retour au ouais, je futur. comprends. C'était impossible. Et puis après, je voulais une voiture un peu classe, alors j'ai acheté la Masamune, mais voilà, bon, c'est tout. Là, je vois. Voilà. Bon, ouais, je crois qu'on va quand même s'arrêter là parce que ça fait déjà un bon paquet de temps. Mais sache que ce serait Ouais. avec un énorme plaisir si on renouvelle la chose pour creuser un peu plus peut-être le problème du jeu ou la tendance actuelle. Parce que Même c'est si vrai que là, si on y a fait le tour quand même, hein, ouais, mais c'est vrai que là, on a plus parlé de jeu en de pourquoi lui-même. Zelda est bien. Oui, c'est vrai. Ça me convient, ça me Pourquoi convient. Zelda est vieux? Pourquoi RDR2 est nul? En gros. Non, mais attends, attends. Non, c'est pas nul. Non, oui, c'est juste.
justement ce que j'allais dire. Ouais. C'est que, qu'on soit d'accord, on a pas du tout fait ça déjà pour mettre ouais. Zelda sur un piédestal, et on n'a pas du tout fait ça non plus pour descendre Red Dead oui. Redemption. Red Dead Redemption 2. Et surtout que moi, je ne veux absolument pas dire du mal de Red Dead Redemption parce que je n'y ai pas joué, donc je n'ai aucun jugement à avoir. J'ai juste... Voilà, j'ai vu du jeu, donc je porte un jugement sur ce que j'ai vu, mais à aucun moment je vais dire le jeu est pourri, juste de par ce que j'ai vu. Voilà. Ouais. Ça, puis, le jeu, je ne le démonte pas et ce n'est pas le but du tout. C'est clair. Et il faut savoir juste que le jeu reste exceptionnel quand même, rien que pour la claque visuelle qu'il te met. Rien que ça, en soi, ça fait progresser le média. Donc voilà, les animations sont d'une qualité absolument incroyable. T'as des cinématiques qui défoncent, une histoire vraiment pas mal. Bon, voilà, ça reste un jeu qui est largement au-dessus de la moyenne de la qualité d'un jeu actuel. Hein. J'en s'entends bien. C'est clair. Voilà. Et si, en fait, je viens de penser à un truc que je voulais absolument parler, mais peut-être que ça fera même l'objet d'un podcast complet. Et si tu veux en faire partie, si tu veux être mon interlocuteur, ce sera comme tu veux. Je lance le sujet. J'espère qu'on ne va pas y passer du temps ou qu'on le repartera à notre podcast. Un podcast, c'était... attends, j'ai trop parlé du coup, je sais même plus. Si, c'était que tout devient has-been trop vite. Je te prends un exemple tout con. Pokémon Go. Oui, tu vois, c'est, deux mois. Un moment, c'était la grosse hype. C'était bon, voilà, tous les gens étaient dessus. Et dès le moment où t'as les gens qui désertent un peu, ça y est, le jeu c'est de la merde, il est has-been, c'est de la merde, faut plus y jouer. Comme ça me désole, je te jure, ça me désole. Ça, je pense qu'il passe parce qu'il y a toujours une course pour les entreprises, tu vois, pour avoir le monopole du marché, tu vois. Oui. Mais les gens. Et par contre, t'as l'exemple avec Fortnite et PlayerUnknown Battlegrounds. C'est-à-dire que PlayerUnknown Battlegrounds, c'était le top du Battle Royale. Et Fortnite est arrivé, bam, tout le monde est parti sur Fortnite. Et le truc devient has-been. Et il fait encore de très bons chiffres, hein, mais voilà, le truc devient vraiment beaucoup moins joué. Voilà, et parce qu'il y a une sorte de surenchère pour avoir le monopole du marché, la première place. Et du coup, les choses tournent trop vite, très, très vite. En fait, ça me désole parce que, limite, en gros, quand aujourd'hui tu vas dire à quelqu'un que tu joues à Pokémon Go, il va dire mais tu joues encore à Pokémon Go, mais c'est has-been. Hein. Tu vois, c'est dans la tête des gens comment ça se passe. Mais même, en fait, ce que je remarque, c'est que un jeu, t'en parles plus avant qu'il sorte qu'après. Et ça, je trouve ça tellement triste. Ouais. Regarde Spider-Man. Spider-Man, par exemple. Ouais. On en a beaucoup parlé avant. T'en as entendu parler depuis qu'il est sorti ? Non, très juste. Et ça, je pense, en fait, c'est comme chiant tout. C'est dommage. C'est dommage. En fait, souvent, les gens. Comment dire ? C'est surtout le fait de désirer quelque chose qui... Je sais pas trop comment expliquer. Mais c'est le fait de désirer d'avoir en leur possession le truc qui les intéresse plus que d'avoir le truc, finalement. Oui, et une fois qu'il est sorti, t'as plus grand-chose à dire dessus, vu qu'il est sorti. Voilà, ils mettent plus d'énergie dans l'attente du truc, dans le désir de l'avoir, d'y jouer, que finalement d'y jouer, d'y prendre plaisir, de dire tiens, qu'est-ce qui me plaît, tac. Oui, et ce qui est tout autant désolant, c'est que maintenant, la seule manière des éditeurs de faire rester un joueur dans son jeu et de garder le jeu en mode hype, et ben c'est d'y mettre comment dire, de mettre des loot box, des trucs qui vont nécessiter de payer, ou tu vois, qui s'apparentent à des petites doses de drogue qui te mettent discrètement dans le sac sans que tu t'en rendes trop compte, mais tu reviens en vie dépendant. Exactement ça, et ça fait tout à fait référence à la vidéo que j'avais vue. Alors, c'est con parce que je me souviens plus de la... Bah, on a dû voir la même vidéo, hein. Certainement. Spectrum, sur la chaîne Game Spectrum. Je ne sais pas. Est-ce que justement cette dose que tu parles, tu peux y lier avec le casino ou l'expérience de la souris? Ouais, on a vu la même vidéo. Ok, donc j'explique rapidement pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas vu. En fait, ils se sont rendus compte, ils ont fait une expérience sur un rat qui avait, alors je ne me souviens pas de tout, hein. J'ai parlé du principal. Il avait une espèce de gâchette et quand il actionnait la gâchette, ça lui donne à manger. Mmh. Ils se sont rendus compte que il savait qu'à chaque fois qu'il allait actionner la gâchette, il allait avoir à manger. Du coup, il perdait l'intérêt
d'actionner la gâchette. Ou du moins, il allait que quand il avait De allumé pas chercher, forcément de faim. faire des trucs, Voilà. ouais. Par contre, ils se sont rendus compte que le rat, si quand il actionnait la gâchette, il n'avait pas toujours ce qu'il fallait, enfin, il n'avait pas toujours de la nourriture, et ben il allait commencer à vouloir toujours l'actionner. L'actionner, Ouais. l'actionner de manière frénétique. Et tu sais quoi, ça me fait penser à ce qu'on Bah, disait sur Zelda, que du ouais. coup, quand tu cherches, tu ne trouves pas toujours ce que tu penses trouver. Et c'est Ouais. exactement ça, et c'est justement ce qui me fait rester sur le jeu, mais de manière saine, j'ai l'impression, parce qu'on me demande pas de Voilà, c'est payer. ça. Mais du coup, Le... Ah, très tiens, bien est-ce qu'il y a vu. quelque chose? Oui, t'as vu? C'est pas Très con? bien vu ce que tu dis, parce C'est pas que con? Zelda, il fait ça de manière très saine en faisant Très ça comme saine, ça. ouais. Ça te permet de faire rester le joueur, mais voilà, finalement, c'est juste C'est ça que devrait être un jeu un... vidéo, putain. C'est Maul, on a trouvé ce stressant. que c'est! On a trouvé, alors que Allez, dans les autres ça te dit, jeux, on ce qui crée te un fait jeu vidéo rester... ensemble et puis on devient les maîtres du Ben monde. oui. On se fait un Google bis, voilà, on va devenir les nouveaux Ben oui. Google, voilà. Mais dans les autres jeux, c'est hyper malsain, parce que ce qui te fait rester, c'est parce que tu veux Mais t'as oui. traîné Père Noël Mais oui. dans les loot box, mais tu l'as jamais. Donc du coup, tu continues d'acheter ces loot Et box donc tu sans veux jamais que... l'avoir. Voilà. On sait quoi, Voilà. on va pas poster le podcast, on va garder ces idées pour nous et on va les développer de notre côté. Ça te dit? Allez. Non, Ça me dit, non, mais vas-y, clairement, pour en on revenir va à ce tout. que je disais, c'est que, ouais, donc c'est par rapport à la souris, ils se sont rendus compte que c'était comme ça que la souris, elle avait du coup un comportement frénétique et qu'elle se mettait à actionner tout le temps le levier. Et du coup, en fait, ils ont fait le parallèle avec le casino et c'est exactement ça. Pourquoi les gens jouent beaucoup au casino? C'est parce que tu peux gagner, mais tu peux ne pas gagner. Et c'est seulement tu vas l'actionner et tu sais pas ce qui va se passer. Voilà, c'est l'aléatoire. C'est Ah, ça ça aussi c'est l'avenir du jeu et vidéo. L'aléatoire. la vidéo disait que en fait ça jouait sur des mécanismes qu'on ne peut pas réfréner. Oui. C'est-à-dire c'est chimique dans notre cerveau, ça doit être la curiosité humaine ou quelque chose dans le genre. Ah On ne non, peut mais pas pas forcément humain. Non, s'empêcher non, parce que de... c'est chez les animaux. Oui, très C'est juste, dans oui, notre très juste. nature. Ouais. Voilà. Donc et Parce qu'en finalement, fait, c'est ils vrai qu'il disait que cherchaient c'était un malsain, que moyen. ça se repose sur... Finalement, ça paraît comme un truc un peu scientifique, tu vois, une recette magique pour... Carrément. Et c'est bizarre, c'est Mais bizarre. c'est là, en Où fait, est l'art dans tout ça? où tu te rends compte de où est-ce que se dirigent les éditeurs. C'est-à-dire qu'à la base, bon, ok, tu fais une expérience scientifique qui essaye de faire en sorte que la souris actionne le maximum de fois le levier. Dès que tu as trouvé la formule magique qui était de bah, rendre le truc aléatoire, tu l'appliques à un jeu. Et ça va être cette manière de l'appliquer à un jeu qui va déterminer si tu es bon ou mauvais. 99% des jeux utilisent cette mécanique de manière malsaine pour te faire revenir sur le jeu et limite te faire payer. Là où Zelda, qui fait partie pour moi des 1% restants, qui l'utilise de manière intelligente et de manière saine pour te le faire, bah, voilà, tu as payé ton jeu et maintenant tu as droit d'en profiter. Et de jouir de toutes les bonnes choses qu'on y a mis à Mécanique, l'intérieur. ouais. Parce que De A à Z. pour moi, les 60, 69 euros qu'on va mettre dans Breath of the Wild, c'est un jeu qui pourrait, en fait, à l'heure actuelle, de tous les jeux qu'ils font, en valoir plus de 1000 euros. En Ouais. fait, le jeu, il coûte 60 euros, mais il en vaut 1000 pour moi. Là où les Ouais. jeux actuels, tu les payes pas. Mais tu vas y mettre 1000 euros dedans à force C'est de. ça. Sans même t'en rendre compte au Alors que le final. jeu en vaut 2 euros. Tu vois, Ouais. c'est tout le contraire. Ouais, C'est c'est con, ça. mais c'est ça. Ouais, non, mais voilà, c'est là. C'est là. Zelda. Ah, j'avais pensé à un truc à l'instant, mais ça m'a Ah, échappé. Tu c'est sais, con. C'est dommage. c'est rentré d'un côté, c'est reparti Dans l'autre instantanément de oreille, l'autre, quoi. il faudrait reparler des choses qu'on a déjà parlé. Je sais pas, je Ouais, parlais on du parlait levier, de du quoi? casino, de. Non, vraiment, il y a 15 secondes, quoi. Dans la nature humaine, que on était fait comme ça. Non, c'était vraiment, vraiment plus proche. Attends. Ah non, ça reviendra pas, je Et crois. puis plus tu cherches, moi ça reviendra. Donc, Non, ouais, bon, tant pis. ah, Je c'est t'enverrai un dommage. message si je m'en rappelle un Ouais, jour. voilà. Bon bah, Voilà. du coup on en a parlé. Hein, on a parlé un peu Ouais. de tout ça, de ouais, bon, du fait que ouais moi ça m'énerve un peu que ça devienne has-been parce que bon, putain, on t'en parle plus et puis du coup bah. Mais du coup, oui, je pense qu'il y a matière à développement pour un tel sujet. Ouais, mais bon, enfin Notamment après, entre... ça revient sur ce qu'on dit en fait, donc Ouais, on tournera en je rond. Mais pense pas qu'il y ait c'est intéressant forcément que un tu évoques ça développement. là. Oui, je pense pas que ça nécessite un podcast supplémentaire pour ça. Ouais, Bon, clairement. mais en tout cas, je pense qu'on a déjà bien fait le tour. Ouais, je suis content. On a pu évoquer des thématiques
très intéressante. Ah bah ouais. Puis ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi. C'était fort Ah mais le sympathique. plaisir est partagé. Et puis tu le sais, hein, à chaque fois ça a été un plaisir. Hein. Comme je le disais hors antenne, ça nous arrive très rarement de discuter comme ça, mais à chaque fois c'est un grand moment. Mais le fait que ce soit peu souvent, bah, c'est pas plus mal. Comme je disais, tout ce qui est rare est précieux. Et bah, Voilà. Et finalement, c'est la philosophie de Zelda. Donc c'est parfait, on tombe sur nos Exactement! Mais pattes. oui! Voilà, tout à fait. Voilà. Exactement. Voilà. Mais carrément, Du coup, mais c'est parfait. ça la clé. C'est ça la clé. Et il a compris la clé, le Zelda. Et en fait, je le savais depuis le début, je faisais exprès. Oh là là, il est trop fort. Ça doit être Bon, ça. eh ben écoute, nickel, très bien. Je sais pas si on a. Non, je crois. Non, on a pas fait le. On n'a pas battu le record de temps. Je crois que c'est 1h50 et quelques. Mais Ah, quel dommage. 1h44, on est déjà bien. Franchement, on est déjà très Ouais, bien. c'est un beau score. Ouais. Mais voilà, bon non, mais c'est sûr que c'était cool parce que voilà, on a partagé notre. Bah, on est un peu des enfants qui ont partagé leur bonheur d'avoir joué à un jeu vidéo, c'est tout quoi, Tout merde. ça dans la cour de récré. Voilà, une récré qui aura duré 1h45. Voilà, c'est tout. Oui, c'est vrai, ça n'arrive jamais. Voilà. Ouais. Non, mais écoute, c'est cool. Moi, j'ai bien apprécié cet échange avec toi, ce podcast de manière générale. On espère que bah, ça aura été pareil pour vous. Alors, si vous avez jamais joué au jeu en espérant, ou même à tous les jeux qu'on a abordés, bah, en espérant que ça vous aura donné envie. Si vous avez déjà joué au jeu, bah, peut-être que du coup, ça vous a rappelé votre aventure de Zelda et ça vous a fait replonger un petit peu dans ce monde et ça vous a rappelé beaucoup de souvenirs. Ça vous a fait. Ouais, et ça a Voilà. peut-être pu même mettre des mots sur ce que vous avez Oui. ressenti sans pouvoir l'expliquer. Exactement. Ouais, vous avez peut-être vibré au rythme de nos paroles. Et puis bah voilà peut-être que bon, et puis bon bah, si ça vous a pas intéressé peut-être que vous n'êtes déjà plus là et que vous n'écoutez pas ce que je suis en train de dire donc ça a aucun sens ce que je dis donc bref voilà bah écoute on va clore le sujet ici je te remercie une nouvelle fois Maul, et je sais pas si de ton côté Merci de tu as un l'invitation. dernier mot Non, non, du tout, du tout. voilà Du et bah tout. À écoute part que bah, c'est sûr, un moment fort sympathique. Voilà, et ben, moment fort sympathique partagé. Eh bien, moi je te laisse, et puis aussi toutes les personnes qui nous écoutent, je vous laisse. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations, et ciao à tous! Salut!